Vendredi 5, 18h, premier live de McFly Carlito sur Fishing Simulator. Il y a vraiment tellement de choses à faire, même TikTok, quelques boulards au pire, vas-y je pardonne. Il révèle Sasa Yeo, Sasa Yeo. Je suis pas hey, 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 sortez. C'est fermé à clé. Pas moi. Pas moi. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. On va s'amuser. Rappelez-vous, il y a un an sur le Master Kill, tu nous as sorti des belles VOD. On avait bien ri quand même ce soir. C'est bien. Doigt en retard pour arriver en jogging MDR. Oh, hey, on regarde tous la remarque. Non, mais ils connaissent pas les jeux. Non, mais pourquoi? Parce que les gars, on va faire des jeux sur Switch justement. Parce que là, c'est ce que j'allais vous dire. C'est Carlito sur le chat ou quoi? Il m'a dit la même chose en arrivant. Non, mais la dernière fois, c'était un peu un traquenard. On vous a invité pour du Fortnite, etc. Forcément, c'était moins, etc. Là, ça va être des jeux. Je vous dis, n'importe qui peut gagner. C'est pas Mario Kart. On s'est dit peut-être Mario Kart, mais Mario Kart en ce moment, on est en train de se buter avec Doigt, donc ça va être un traquenard. On va jouer au bowling, on va jouer aux fléchettes. Ce que vous voulez. C'est le first time pour tout le monde. Premier degré. Okay. Et en plus, c'est score individuel pour une fois. Et donc, il n'y a pas d'alliance de je vais essayer des. Non, non, c'est score individuel. Chacun joue pour sa faute. Et pour vous expliquer un petit peu, il y aura des gages en fonction des jeux, etc. Et à la fin, le gage ultime, je sais que Doug et moi, on n'a pas du tout aimé la... ce feeling là. Pourquoi tu me mets dedans? Moi, j'ai adoré. Hein. T'as adoré, Ah, moi, j'ai adoré, mais j'étais comme un poisson dans l'eau. Ok, non, je vous explique vite. Parce donc, que pour moi, c'est pas un gage, je l'avoue tout de suite. Ah, pour moi, c'est un giga gage. Qu'est-ce que c'est que vous dites? Attention, c'est le casque VR. On ira sur Phasmophobia. Attends, je vous explique un peu le contexte. Ah, j'ai vu quelques live Twitch dessus. Moi, on l'a fait justement, c'était un gage du The Event et moi, je me suis chié dessus. Pourtant, je suis un bonhomme, tu vois. J'ai envie, ouais, bien sûr. Ouais, j'ai envie, premier degré. Moi, je suis. Ouais. C'est bien. En fait, ce qui est marrant, c'est que les trois autres seront dans la même game, sauf que eux n'ont pas le casque VR. Ouais. Donc, ils sont un peu plus à l'aise. Donc, en fait, il y en a un qui va rester là avec son casque VR, qui va devoir affronter ses peurs, et ce sera sur Phasmophobia. Et c'est le gage ultime. Pour moi, c'est. J'ai pas envie de perdre. Quand on arrive à ce gage-là, je serai en mode. Je ne vais plus parler. Il y aura plus d'animation, il y aura plus rien. Je serai juste en mode. Qui est le plus à l'aise avec les films d'horreur? Qui craint le plus ça entre vous? Clairement. Explique-nous, ça vient de l'enfance. Mais je rigole pas du tout avec ça. Quand j'étais ado, je me suis fait les The Ring avec les potes et tout, et je kiffais. Mais récemment, j'ai vu un petit message sur le chat qui disait McFly montre le bibi. Bon, voilà, je vais pas forcément le faire, mais non, t'as envie de le faire. T'as envie de le faire. C'est moi. Je vais enlever ça. C'est pas grave. Non, mais si c'est demandé sur le chat. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ah ouais, putain, il est plus impressionnant en vrai. Putain, mais c'est mec, mais moi je. Ah non, franchement, c'est. Il est là ou pas? Ah bah oui, il est bien là, ouais. Je le taffe. Mais moi, je le taffe. C'est vrai que Hakim, il a dit qu'il était perplexe sur moi sur non, la suite des événements. Non, pas du tout. Il a dit Carlito, faut qu'il reste bien au taquet, quoi. Il a vu que moi j'étais au taquet, il a dit oh, Carlito, non. Mais t'inquiète, frérot, ça y a pas de. Ouais, référence à la dernière vidéo. Alors, dimanche, elle est sortie la vidéo de Mafia Carlito, elle est folle. Vous faites le bilan en gros sur votre année de musculation. Et d'ailleurs, cette photo de moi était bien avant la transformation physique. Ah oui, t'es devenu maintenant chiant en fait. C'est faut tout remettre à jour, c'est Bibi Parédi. En fait, tu me remplaces par un Bibi la prochaine fois uniquement. Non, mais en vrai, vrai sujet. Après, tu connais. On va parler des heures. Il y a sujet cassé car on doit jouer. Ah non, mais ça fait mais que ça. Sujet, tu vois toutes les émotes bleues là, c'est la communauté. On va en parler ça, on va en parler, c'est super important. Moi c'est j'ai ralenti un peu, alors que lui il accélère. Tu vois, ah, mais lui, ça y est, il est tombé dedans. Et lui, il est tombé après, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. En fait, bien sûr, moi génial. Je suis tombé dans la muscu. C'est-à-dire que j'ai tout testé, cardio et tout, et la muscu pure, j'adore de fou. Mon corps est fait pour ça. Pousser des poids et vraiment chercher la forme du muscle et tout, je kiffe donc j'en fais. Cassé Carlito, les amis. Non, faut en parler parce que là ça fait que spam là. Moi je te dis de base. Est-ce que c'est chiant pour ça? Ah non, c'est, bah, non, c'est pas chiant, mais en fait de base. Même pas de quoi on parle. Non, tu connais Kameto. Non, mais j'ai ça. Et du coup, là en ce moment, il a créé sa propre équipe e-sport. Et là, il joue entre guillemets pour faire rapidement, pour t'expliquer grossièrement. En gros, ils sont dans la Ligue 2 de League of Legends. Ouais. Et il a créé une hype. Je te dis, la Ligue 2. Elle il a réveillé. Oui, non, c'est, je là, sais ça. Je crois que la semaine dernière, il y a eu 100 000 personnes qui sont arrivées pour suivre ça. Je pense que les trois quarts n'ont jamais joué à LoL, ne comprennent pas LoL. Donc, voilà, t'es le parfait exemple. En fait, ce qui se passe, c'est un engouement. En fait, c'est une motivation. Ah, je suis tombé là-dessus via Twitter. C'est leur engouement, leur ferveur. Enfin, je sais pas. C'est côté fou, incroyable. En fait. C'est incroyable. Quand c'est la du foot, chose, ça. C'est ton pote du quartier qui a un club. Il y a ce côté très très. Un engouement humain comme ça, c'est toujours incroyable ce qu'il fait. Mais je sais pas si je suis influençable ou quoi. Voilà. C'est quasiment WAM, hein, franchement, rien après. Hein. On a vu une grosse vidéo, on l'a dit hein, récemment, avec la muscu, le bilan. Mais j'ai vu une autre vidéo récemment aussi que j'ai adoré. C'est on appelle quelqu'un au hasard avec. Comment s'est fait ce feat, même si je pense que vous avez eu des gens bien plus durs à avoir, comme Will Smith ou quoi. Mais là, le feeling. J'ai repensé à l'origine. Je crois que les premiers échanges avec lui, c'était pendant le premier confinement sur les lives Insta. Tu sais, des petites motions en commentaire. Oui. Genre, il est en live, on écrit un message, parce que comme on a des potes en commun, il est pote avec Jonathan Cohen qu'on aime bien. C'est peut-être ça d'ailleurs le début. C'est un peu le début, tu vois. Des commentaires et tout, on s'est kiffé. Après, il est venu, on va en parler. Il est venu sur le Maradon. En fait, les gars, on va pas jouer en fait. mais on adore tchatcher. Attends, on a appris surtout que c'est Pierre Ninet, tu vois. Et on a appris qu'il kiffait nos vidéos. Ouais, il hyper a dit flatteur dans un live. Pour nous. Après ça, on a fait genre 3 FaceTime ensemble. On se dit, oh, on veut faire, on avait des idées de vidéos et tout. À chaque FaceTime, ça durait, on pleurait de rire. Et à un moment, on s'est dit, mec, c'est juste pas possible, faut que viens en studio, on va juste se péter des barres. Et il se passe un vrai truc hein, en termes d'amitié. Et Feuilleman, on peut pas trop en dire, mais en fait, donc il y a eu un délire, une impro. Il a créé Feuilleman en impro, on a rebondi dessus, c'est une série.
série nulle, le pitch est nul. Allez voir la vidéo, hein, la ref est folle. Et en vrai, de vrai, on va pas trop en dire, mais ça avance très 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 bien. Ça va être un court métrage, un long métrage. On peut pas en dire. Un long métrage. On te voit, Doug. Avec Pierre Ninet à la fin. Au cinéma. Ça relance le. Ils vont faire. Vous avez vu ce que Kamel a fait. Vu ce que Kamel a fait avec LOL. Ils vont le faire avec le cinéma. Ils vont relancer le cinéma en France. Non, justement, non, faut pas se faire avoir. Attention, ça reste une idée absurde. Donc du coup, ouais, on est quand même là pour jouer, les gars, pour s'affronter. On a essayé de trouver trois jeux vraiment très sympathiques. Et en gros, bah, il va y avoir plusieurs affrontements. Ça va être du 1v1 à chaque fois. L'objectif est justement de pas perdre, surtout pour pas avoir le gage à la fin. Donc là, il va y avoir trois jeux sur ça. Et à la fin, celui qui a le moins de points parmi nous, qui aura fait le plus de défaites, aura le premier gage. Le premier miniature. Ça va être le air hockey. Air hockey extraordinaire. C'est extraordinaire. Oh, il y a la pêche, frère, la pêche. Non mais ça, vous jouerez à la maison. En fait, c'est très loin. Excitant pour les gens. Il a vu la pêche. Regarde, il a posé sa main sur moi. T'as vu l'émotion ? J'étais pêcheur quand j'étais jeune. À la campagne et tout. Ce live. Quand j'ai grandi et que j'ai pris conscience, enfin, tu vois, à un moment, je me suis dit, je ne peux plus tuer de poisson, je n'y arrive plus. Oh non. Attends, j'adore la sensation quand même. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des jeux vidéo pêche simulator très évolués. Écoutez-moi bien, je vais le faire. Ouais, ça, y a ça pas de contre, blague. Pas de problème. Je vais y a faire des pêche simulator. Vraiment. Ah ouais. Mais où, sur Twitch? Ouais, ça existe. Je peux y a, non, mais il y a pêche simulator. Il y a pêche. Eh bien, on profite. On est chez Gotha et Doig. On dit, on a une chaîne. On a une chaîne. Avec rien dessus. Pour l'instant, rien. Mais on se demande si on pourra en faire. Je rêve vraiment premier degré de faire du fishing simulator. Et il paraît qu'il y a des manettes canne à pêche. Oh non, bien sûr. Non mais ils ont poussé le game. Ils ont vu les gars. Moi, je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais le chat me fait pleurer de rire. Ils sont là, ils sont là. Je sais pas combien vous êtes sur le chat. Dis-moi combien vous êtes. Mais l'ambiance est parfaite. Elle est où la communauté fishing simulator? Je veux la voir. Ouais. Ça va devenir un truc. Je viens seulement de capter ce que t'as dit. Ah, c'est pareil, il y a 60 000 personnes. Attends, il y a 60K, wow. Mais déjà, merci. Parce que non, oui, ça, c'est fou aussi. Il faut s'y habituer, mais c'est vrai que c'est incroyable. Fishing, fishing, ça y est. Mais mec, ça y est. Attendez, attendez. Moi, je peux faire une soirée où je lis avec le chat. C'est le but de Twitch. Mais lancez votre live. Tu sais, parce que je te parle beaucoup d'Ivic, mais Ivic, il était venu. On avait troll, il a eu 10 000 followers très rapidement. Il a lancé son live 2 jours après. Il a fait que parler aux gens. Il a trop kiffé. Et même pour avoir des idées, pour pouvoir échanger, pour tester des idées. Mais dis-toi, regarde, là, dis-toi que là, si on n'avait pas de jeu, on pourrait discuter de tout et de rien. Ah là, en fait, on craint que ce soit, encore une fois, c'est le même sujet, trop chronophage pour nous. Il non, parce que t'as pas d'obligation, c'est du live. Ouais. En fait, c'est pas, mais c'est pas avoir en mode. Un rendez-vous pour que les gens suivent, sinon ils s'en foutent. Non, sure, je peux mettre des trucs récurrents, comme genre par exemple, nous, tous les lundis, retrouvez-nous ce soir à partir de. Moi, déjà, moi, c'est casser Carlito, c'est-à-dire que maintenant j'ai envie d'avoir des parts dans la cage. Ah, c'est la coûte cher. Ce chat me fait rire. Énormément de poissons. Il y a des poissons. Est-ce qu'il y a vraiment une communauté de fishing simulator, les gars? Je pense pas, mais tu peux la créer. Là, il y a quelque chose. Je veux que nous le premier live, je veux que Fishing Simulator me contacte et me dise on veut vous mettre sur la devanture du jeu vidéo. Mais tu veux une OP. Canapé en main. Une OP et genre je suis là comme ça et je fais vendre le jeu. Ah non mais mec, ça y est, je vais être. Et est-ce que tu fais gratuitement? Peut-être pas complet, mais non. C'est bien, c'est bien. Non, mais je l'ai testé, j'ai essayé. Fixons un rendez-vous. Moi, je propose ça même pour aller plus loin. Regardez bien. Parce que là, vous êtes. Ah, j'adore. C'est vous, les figures devient... de... vous êtes les figures. Attends, de attends, comment ça, comment ça, attends, ça devient... Là, ça devient concret, Gotha. Ça devient concret. On est le 25 janvier. Ouais. Faut que vous nous aidiez même pour la config. Oui, mec, on s'occupe de tout si vous voulez. Pour le premier ou deuxième live, c'est un crack. Moi, je dirais plus semaine pro. Ah, moi je... Non mais la première sur votre chaîne du coup. 3 février c'est pas mal hein. 4. La première sur notre chaîne sur un fishing simulator. Est-ce que vous êtes partenaire Twitch? Non mais ça va se régler, ça va se régler. Ok. Non mais en vrai, le jour où pour l'instant il n'y a aucun créneau fixe, c'est le vendredi. Je peux le faire pas trop tard? Ouais, ouais. Genre 18h jusqu'à 22h30. Ou même 17h, tu vas même commencer à 17h. Allez frère. Mais je crois que tu vas live une heure ou quoi? Non mais une fois. Non, je crois. Non, 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 mais lui il abuse. Non, mais un live, si tu commences à 18h, tu peux finir à 20h30. Les amis, vendredi c'est full validé. Vendredi 5, je suis excité quand même. Je peux poser une question? Je reprends le recul, je fais un bilan. Est-ce que les gens là nous écoutent parler? Est-ce que ça leur va ce contenu? Attends, mais s'il fait 18h20h, nous c'est après, non? Il a même pas répondu. Mais parce que j'ai pas envie de louper le créneau. Nous on veut le voir. Je veux le voir. Faites des montages avec McAlva. Faites-les. Vendredi 5, 18h, premier live de McFly Carlito sur Fishing Simulator, canne à pêche en main. Oh, faut et nous on sera là. Et nous on sera là. Faut que j'aille trouver la canette. On va t'aider. Les amis, par contre, soyez là. Ouais, parce que. Bon, on sera là. Moi, j'avais proposé de faire un petit air hockey. Un petit air hockey, juste histoire de voir comment. C'est toi quelque chose? Air hockey, McFly contre Gotha. Ensuite, j'affronterai Carlito pour voir qui aura. Ok, alors comment ça marche? Les premières défaites. Attends, il y a le tuto. Il y a le tuto. Tu viens avec moi? Regarde le tuto, sinon tu vas trouver des excuses. Le joystick vous permet de bouger votre palais et la touche à droite vous permet de taper un peu plus fort que ce que vous tapez si vous tapez juste dedans. Pourquoi je suis dans un état second à chaque fois avec vous? Parce qu'on est fatigué. Là, en vrai, ça va vous réveiller. Attends, tire pas direct. Tire pas direct. T'es le rouge. Ok, moi je suis bleu. Ok. Le palais est au milieu. Si t'appuies sur A, regarde, si t'appuies sur A, ça te. Ouais, ça te fait un petit coup de. Ah, c'est à droite. Mais faut être sûr, tu vois, d'avoir la distance. Ok, je te l'envoie. C'est juste pour. Là, c'est pour tester. Il va marquer. Allez. Et c'est parti, hein. 5. Oula. Oh. Et du coup, je suis pour qui, moi? Bah, t'es pour moi, parce qu'on est vraiment les. Je me suis barqué contre mon camp. On veut un costume pour Fishing Simulator. Pas mal. Ah oui, mais je vais m'habiller en pêcheur. Pas mal. J'aime trop le chat. Dites-moi des choses, le chat, et je vous réponds. Ouais, il s'est mis lui-même. Un partout. Attends, y a quoi en jeu là? De pas avoir un point pour pas avoir le premier gage.
Et okay. Premier gars, je vous rappelle que c'est une roue. Hein. Là, oh on... oui. Et il y a okay. des gars vraiment vénères. On entend un try out. Allez, allez. En fait, on est trop nuls, on marque à chaque fois dans notre camp. Mais c'est non, pas mais simple, hein, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, les gars. C'est mieux. Oh là 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 là. Balle de match pour Gotaga. Faut surtout pas qu'il y ait 4-4. Oui. Point décisif. Y'a pas point d'écart. Hein. Y'a pas. C'est maintenant que ça joue. Ah, c'est. Ah c'est sur l'engagement direct. Premières émotions. Gotaga, tu ne seras pas en lice pour le gage du premier jeu pour le monsieur, moment. Monsieur, c'est qui veut jouer? Bien joué, monsieur. C'était une très belle game. C'est très agréable. Y'a un joystick à bouger, un bout. Pardon. T'es où, toi, Karl? Je suis à gauche. J'ai marqué. Oh joli. T'as osé dire j'ai marqué. Oh 2-0. Frérot, vas-y hein. Attends, c'est pas si intuitif en fait hein. Non, c'est vraiment pas intuitif du tout. What the fuck? Attends, mais il campe. Ouais, mais il campe pas du tout, frère. Il campe. Non, mais c'est bien, il joue quoi, il joue au jeu. Tu campes. Voilà. Fais gaffe. Ouais, ça m'arrive plusieurs fois. C'est très dur. Ça m'arrive plusieurs fois ça. Ça quand ça fait ça, c'est très piégeux. Ça c'est le piège. Franchement, je te dis, pour moi, Doig, c'est largement le meilleur sur ce jeu. Donc, si tu le bats, t'es vraiment le crack. Le craquito. Je viens de comprendre aussi. Allez, craquito. Comment ça, tu viens de comprendre? Faut pas trop taper avec le bouton. Il se passe des choses. Non, mais dites-vous, Doig, il a déjà joué, les gars. Le jeu est incroyable. Le jeu, Doig a déjà joué. Mais jamais, arrêtez de me. Doig a déjà joué. Le jeu, il a déjà joué. Regardez, j'ai déjà joué, ça se voit. Regardez. C'est les mecs au foot qui font un vieux passement de champion. Oh, bien joué là. Là, c'était beau ce que tu viens de faire. Allez, mon gars. Je me la bloque. Bien sûr, la place. C'est deux compétiteurs, mesdames et messieurs, deux compétiteurs. Te fin. Par contre, si la partie dure trop longtemps, directement, Carlito sera le gagnant de FIFA. Oh t'as c'est ça, tu mets la pression. Mais il parle aussi. Moi j'ai pas parlé. Ça va aller très vite. C'est très chaud ce qui le carnier est là pour vous. Il est angoisse. Le carnier est là pour vous. T'es détestable. Le carnier. T'es un campeur. Tu es un campeur. Mais c'est pas du tout campeur. Lui il va jouer à Fishing Simulator. Toi tu vas jouer à Camping Simulator. C'est incroyable là. Vas-y. Carlito Carlito qui bat toi sur un jeu. Mais je kiffe. Ah oh, si, on a une anecdote. Redonnez-moi oh, là, carrément. Je viens de me rappeler une anecdote qu'on pourrait avoir pour un concours d'anecdotes. Ah merde, micro, ça va. Et du coup, tu dis en mode. Allez hop. Tu te rappelles pour que du coup, ça m'incite à vouloir jouer vrai si jamais. Je vous rappelle, Carito est le bleu, Gotaga est le roux et voilà. Et il est creux, c'est un campeur. Ah, je crois que j'étais le bleu, pardon, je sais. Pff, pas du tout. Oh non, non, cette vieille. Les gars, t'es face à Campeur Simulator. Hein. Mais c'est terrible de me dire ça. Ah, tu campes. J'ai envie de faire le même rage que Doig alors que t'es juste en train de m'exterminer. Vraiment, c'est le principe du jeu, Doig. Il faut, défendre. Non, mais surtout, tu dois être gardien et attaquant en même temps. Ouais, alors il analyse le problème du. Non, c'est. Oui, ça c'est problématique. Allez, mon Karl. C'est trop chaud, quoi. C'est vraiment son jeu, trop fort. Allez, Carlito. Oulala, attention, attention. Oh, regardez ce que je tente, regardez ce que je tente. Voilà, c'est du pressing. C'est beau, ça monte au filet. Ne reviens pas 4-4, t'auras pas le mental, Carlito. T'auras pas le mental. Mais me dis pas la phrase que. Me dis pas. J'ai déjà le prochain jeu. Ah. Alors donc là, fais gaffe parce que McFly, en ayant perdu le jeu, t'as été le grand perdant des perdants. Oui, ah oui. Tu es éligible au premier gage. Oui, donc tu dois absolument t'en sortir là-dessus. Ok. Attends, c'est bon là, vous pouvez jouer là, je pense. Se gratter le nez, tellement c'est pas si drôle. Le bleu. Là, c'est rouge, quand on domine encore. Tu domines encore. La patate. Qu'il a mis. Comment ouais, j'ai l'impression que tu peux gérer la puissance de la patate. Ah ouais. Allez, patate-le. Patate McFly. Qui a gagné? McFly. Le même. Je sais même pas. J'adore. Selon quel critère? C'est fini là ou pas? Attends, c'est pas les touches, tu m'as pas dit. Ah ouais, alors, tiens, je voulais dire un truc. C'est un de nos meilleurs potes qui s'appelle JC. On a grandi, enfin, on a fait de la zik avec lui. C'est un mec du 9-2, vraiment un grand, grand pote. Et c'est un super musicien. Un super batteur. Il fait quoi? Il fait quoi? Et écoutez, t'as vrai, écoutez, vous allez capter. Oh! Ouais, c'est trop bien. Il a fait une cover. Et on voulait lui envoyer de la force. Oh, c'est stylé! Les bouillons! Alors, je me rends pas compte de la difficulté, mais j'imagine que c'est c'est surtout stylé en fait la compo qu'il a faite. Et les gens ils kiffent sur le chat. Hein. C'est vrai? Ah ouais, lourd, oh, incroyable! Putain, c'est ouais génial! On revient à la bagarre? On revient à la bagarre. Allez, à la bagarre. Ah, j'ai perdu minablement. Donc, te protéger en bas, taper à droite. Y'a que ça. Pour l'instant, mesdames et messieurs, Gotha a l'avantage. Un net avantage. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est horrible. C'est un jeu. Alors, en fait, on va pas se mentir. Doig, tu l'as pas le truc là. Oh, Miguel, je peux gagner. En allez, viens maintenant. Je peux gagner. Parce qu'en fait, il attend que je tape pour me taper. Prenez le recul très sincèrement sur à quel point le jeu n'est pas. Il y a deux mécaniques. C'est un jeu, c'est de la merde. En fait, s'il a pris l'avantage, il il attend que je tape pour taper derrière, mais je peux pas me reprendre. Attends, mais tu traites de campeur là? Tu traites de quoi? Je comprends pas. Ah, t'es un abuseur, mec. T'es un abuseur. JC, il a pris 1000 abonnés. Mais non, vous rendez pas compte. Lourd. Je suis désolé de rappeler ça. C'est pareil, il y a eu 1000 likes à la seconde. Regarde, mets-le là, mec. J'ai trouvé la technique.
Aïe. Voilà. Aïe. Je suis devant. Il y a plus de piles les gars. Oh que non. Oh, là je suis devant. Low batterie. Je sais pas. Mais comment? Il faut des piles. Comment t'es... J'ai gagné. Je suis désolé, je fais. J'ai gagné, c'est toi. Ah, c'est toi le perdant. On m'entend bien là parce que... Ah non, si vous me dites que là, oui, ça c'est plus. Nickel. Ah, c'est bon, c'est bon. Sachez que si ça marche vraiment, il va la garder sur la casquette. Ça va être un truc même, gros. Ah, Gotha est de retour. 2300 abos pour JC. Oh, 2500. Il va rien comprendre. Il va être chez lui là. Sachez que ça fait des années qu'il charbonne dans la musique. C'est un musicien qui a tout fait. Il doit recevoir un tas de notifs. Et genre, il est là, genre chez lui, il sait pas, il va juste faire. Vous savez ce qui va se passer. Mais là, son téléphone doit être en full notif. 10 000 vues, mais c'est incroyable. On appelle JC. Oh, Monster en plus. Oh, Monster, c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je me fais. Toutes mes vidéos se font giga strike parce que maintenant, elle était no copyright, elle est passée copyright. Et là, bah là, ils sont sur mes côtes. Ah, bah là, ouais. Toutes les vidéos, mon intro, oh, c'est fini. Là, c'est... Bah, on peut l'appeler en direct et lui annoncer ça. Ça vous dit de l'appeler ou c'est comme vous voulez. Mais premier écrit. Il se donne rien de lui. Mais ça, c'est un super gage. Mais il adore SNK. Mais c'est ça qu'on aurait dû mettre en gage. Du coup, je pense qu'on remixe. Vous avez le gage qui était prévu pour ce truc-là. On le change et ça devient chanter la musique des SNK en japonais. Ouais, mais le problème, c'est que je la connais pas assez par cœur. C'était quoi le gage? Eh mec, on est bien, on est bien. Le gage, c'était. Ouais, je suis d'accord. Il me parle premier dug avec son mic ici sur la casquette. Si on peut, hein. Bien sûr, on peut. C'est-à-dire qu'on doit trouver l'intro et on doit trouver les paroles. Par contre, c'est là, il est 21h. Moi, c'est l'heure où les enfants dorment et. Vous inquiétez pas, j'ai un truc très bien pour vous réveiller, le bowling. Oui! Allez! Regardez, il a plus aucune. Il a son micro! Je résume rapidement! Il a son micro sur une casquette sur le côté et il tire à l'envers! Non, mais c'est trop dur! Bonne chance à vous, les gars! Le perdant, allez, vas-y, on y va! Donc, c'est soit la chanson, soit un gage de la roue! Non, mais test! Ok, parce que toi, tu vas me prendre pour un as! Non, mais je sais que personne ne sait comment vous guider! Ah, tu vois, ça a l'air de mieux marcher là, non? Oh! Oh, s'il te plaît, c'est quoi ma étape là? Ah, dis pas! Cache! C'est plat comme ça? Place. Ma étape là. Ok. Mec, c'est devenu un pro! Mec, c'est devenu un pro! Okay. Ok, manette à plat. J'ai une très bonne dégaine. Très bon style. Les non, gens très bon style, ça veut pas dire. Ouais, c'est parfait. Allez, manette à plat. Plus réactif que tout le monde. Putain, faut pas que tu lâches à la fin. Vas-y doucement. J'aime bien, il y a des gens qui commencent à s'énerver. Faut que tu. Voilà, voilà. Oh bâtard. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Strike. Oh, ça fout la pression ça. Oh là là. T'es un peu derrière, mais. Si manette à plat. Tu as loupé son. Manette à plat, c'est vraiment le manette à plat. La règle numéro 1 de Twitch, le chat a toujours raison. Vraiment. Mais c'est quoi ça? Y'a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok mec! Qu'est-ce qui se passe? Hey, j'ai l'impression que c'est un battle de. Ok mec! Ça se répond instant quoi! Non mais il a plus. En fait, commence ta main de là, là t'appuies sur le bouton et tu prends derrière je pense. C'est quand je reviens? Ouais! Dis-toi que t'as plus. Essaye en revenant doucement. Voilà! Oh délicat! Parfait mec, nickel! Trop bien mec, t'as géré! Ah c'est de la grosse merde! Bon, tonton, tu vas pas faire des perfects à chaque fois, ça va aussi! Et encore, il a le bonus du strike lui! Oh mon dieu, je suis dans la merde, faut que tu choques. Elle choque, m'a choque, choque. C'est quoi choque? Genre passe à côté. C'est l'inverse de ça. Double strike. On est là. Eh, hey, je vous ai dit que ce soir les jeux étaient cool, hein. Tu vois, tout le monde pouvait gagner, tout le monde regarde comment c'est vous êtes des cracks. C'est vrai qu'on est des cracks chacun dans nos. Ah, c'est fort. J'ai un floppy qui monte là. Est-ce que vous avez des switches chez vous? Il enchaîne les strikes. Non mais, donc je vais prendre ta place. Ah, peut-être. Ça s'agaillot au doigt. Oh, par contre, ouais, plus à La manette marche. Attends, mais du coup, t'as pas d'excuse. C'est t'as fait derrière? Ouais, un peu plus derrière, comme au bowling, gros. Mais je te jure. Décale-toi un peu, décale-toi. Je vous dis en parallèle. Décale-toi, le tir. Il y a eu les abonnés. Il a pas compris. Ah, c'est dépassé là après, ça appelle. Je crois que c'est bon. Voilà, et un peu plus de force. Mais y'a pas la puissance. Y'a pas la puissance qui va avec. Allez, fais un petit strike, on en parle plus. Hot dog en vert ce soir, ça va être cool. Non mais zéro, non mais c'est bon. Ok. Allez, comment ça va? Tu vas bien quoi? Non mais les mais what? Oh, il me laisse même pas mon plaisir. Oh, tu sais qu'en plus ça continue ça, après le strike. Sur le chat, ça va savoir. Non, mais tu sais que ça continue en plus après le strike du coup, si tu fais un strike. Je, oh là là, je découvre ça. Ça doit go directement là, normalement. Du coup, il se passe quoi là, Doc, pour toi? Je m'avoue vaincu. Bah, j'ai perdu et j'ai le premier gars. Mais gros, j'ai des paroles en japonais, je fais comment? Ah bah... Tout ce retard pour rager autant. Bannez-le. Pourquoi on est pas sur ma chaîne? Non, il vient de passer VIP là. C'est quoi le train de la hype? Ah, j'ai jamais compris, faut qu'on explique. Expliquez-nous le train de la hype. C'est quand il y a, par exemple, il y a eu plein d'interactions d'un coup, il y a eu genre 5 personnes qui sont sub d'un coup. Ça lance un train qui motive un peu les autres justement. Bah arrêtez, mais. La légende Gotha. Regarde-moi ça. Non, mais c'est le pire style, vraiment, c'est le pire style. Tous ces jeunes qui déjouent. Regarde-moi juste un petit regard. Comme Gotha. C'est la meilleure punchline. Écoutez, elle vient de vous la punchline. Explication du train de la hype.
Excusez-moi, le jeu a décidé de mettre les barrières pour Doigt que tu peux jouer. Oh, c'est le pire affront quand on met les barrières. Je vais mettre les barrières. Attendez, il y a un train de live. Moi, ça me rend fou. Non, mais les gens nous connaissent. 200%. Ils ont 3 minutes 30 encore pour le faire monter. Ah ouais. Dans 3 minutes 30, c'est fini quoi qu'il arrive. Ça peut aller jusqu'à combien? Jusqu'à fois 1000, fois 2000. J'ai jamais vu au-dessus de fois 1000. Moi, le record, c'est. T'as jamais vu au-dessus de fois 1000? Moi, le record, je crois que c'était 500%. Mais venez, on bat le record. C'est chaud, il faut exploser l'entrée. C'est pas beaucoup. Remercie-les un par un. Tu vois, tous ceux qui apparaissent avec Twitch Prime, ça va trop vite. Ça va trop vite. Allez, gars, ça sub, s'il vous plaît. Merci, merci, y'a pas de limite, on sait pas. Mesdames et messieurs, merci d'avoir régalé JC, merci de nous suivre, merci de suivre Vota, merci de nous suivre. À la fin du compteur, on appelle JC tout de suite. Oui, bien sûr. Et on continue. Oh, regardez, ça explose. 706%. Et on est en décalé. Allez. J'ai voulu faire des bombes jusqu'à 1000. Non, moi je compte l'arbitre. Allez, 2, 3, 5, 7, gainage, 30 secondes gainage. Oh, c'était facile. 800%, je ne sais pas. Des gamins, on est là en train de regarder. 870 si on va à 1000. Je fais pas de sport, mais je transpire plus que. Attends, mais pourquoi? Est-ce qu'on peut aller à 1000? Est-ce qu'on peut aller à 1000? Je ne sais pas. Il reste 20 secondes, c'est mort. 20 secondes, ils arriveront pas. Ils arriveront pas. Non, mais chez eux, il y a des gens qui sont à 4000%. Comment ça, 4000%? C'est à 900 là-bas. Allez, mais là, ils sont à 4000%. 30 secondes. What the fuck? Explosez le game. On va aller faire les 1000. On va aller faire les 1000. J'ai envie d'écouter bien. 5 secondes. J'ai envie d'appeler mes enfants pour leur dire ce qu'il y a. C'est trop tard. Ça, c'est fini. On va voir les résultats. Et en fait, il y a des gens qui ont 4000% chez eux, c'est ça que je comprends pas. Venez, on prend le temps de chacun dire une phrase pour le chat. Puis-je commencer? Oui. Vas-y, je t'en prie. Merci infiniment. En tant que vieille personne, je ne comprends pas à quoi ça correspond, mais vous savez très bien que l'enthousiasme global, surtout sur ce monde de e-sport, car David et moi avons connu l'époque où les médias conchiaient cet univers du jeu vidéo. J'adore ce mot conchier. Je sais pas si les gens sont trop jeunes pour se rappeler de cette époque, il y a 3-4 ans où c'était. Moi j'étais en plein dedans. Donc, et là, depuis quelques années, on est dans un univers. Je parle pas que de YouTube, je me lance dans une diatribe. Mais c'est très bien. De Twitch qui est grandiose. Attends, parce que moi ma phrase ne sera pas aussi longue. Voilà, je prie en avance. Pardon, excusez-moi. Okay. Non, mais quand je suis excité, voilà. Et là, c'est pas ça, mon. Ouais, c'est trop cool. Parce que ça me rappelle moi, teenage, quand j'étais, tu vois, en train de. T'es en mode, mais. Je vous jure que c'est. Il y a vraiment un truc à faire. Vous croyez pas en tes idées. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, je vais prendre la parole. Déjà, un grand merci général, parce que tout se produit du coup sur ma chaîne actuellement. Donc moi, j'en bénéficie de toute cette hype. C'est trop bien, c'est incroyable. Merci à tous. Puis ouais, dans ce que tu dis, nous, on a clairement vécu dedans. Bah, on est là depuis des années avec Doc, justement, où on a vu ce truc de l'esport. Tu sais, il venait France 3, région et tout. Il filmait les Red Bull en mode, regardez, ils se nourrissent de ça. Et ils dorment dans des camps. Mais bon, c'est normal, après, ils connaissaient pas, il fallait parler. Public, mais ouais, maintenant, voilà. Parce que maintenant c'est devenu un peu cool de dire que je suis un geek, alors qu'à l'époque c'était. Tu cachais quoi. Ah ouais, c'était. Ah ouais, d'ailleurs, juste, je sais que c'est ta phrase et tout. Mon deuxième fils, je vous jure, hier soir avant de s'endormir, il parlait à Erika. Maman, ça existe de jouer aux jeux vidéo? Que ce soit ton métier? Parce qu'il se renseigne sur les métiers, tu vois, il a 5 ans là. Erika dit bah ouais, carrément, il fait. Bah, moi je veux faire ça. Bah bien sûr. Et on était là. Ouais, carrément, il s'est endormi sur cette idée. Chose qui n'était inconcevable il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il a fait comme ça. Je vous le dis quand même, c'était peut-être les bombes de trop. Voilà. Ah ouais, non, j'avoue. Parce que j'y sors déjà d'une séance. Avant de venir, j'ai fait une énorme séance muscu. Et là, mais voilà. Tu devais régaler, on s'est fait régaler. Merci beaucoup. Moi, attendez, parce qu'il faut qu'on enchaîne quand même. Parce que là, on a fait que parler. On doit appeler quelqu'un. On doit appeler, tu dois chanter. Il y a plein de trucs à faire. Faut l'appeler. C'est stylé, 4300. Gros, je pense que ça doit être le record. Moi, j'ai jamais. Mec, mon record, c'est 500. Trop bien. On l'appelle et on lui dit donc Monster. Tu connais l'artiste Monster ou Megan Dia? Voilà. Megan Dia, Monster, je lui dis que je vais envoyer un lien et que c'est la demande populaire, tu vois. Ah bah franchement, s'il me l'a fait comme ça là, c'est déjà la musique de Val, elle était lourde, alors Monster là, j'imagine même pas. Là. Tu mets un délai. Ouais, un délai pour demain. Ah ouais. Demain non. 9h quoi. J'écoute premier degré, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va papy, t'es en live sur la chaîne Twitch de Gotas. On est avec Doig et McFly et il y a pas mal de gens qui nous regardent, je crois bien. Et t'as tout notre soutien déjà premièrement. Et déjà un grand merci hein. Merci beaucoup. Mais là, il y a tout qui font, mon ordi, mon téléphone, il y a tout qui font. Génial. Vous avez fait quoi? On en a parlé, bah tu sais, c'est la chaîne de Coco, donc il y a du monde et les gens. Oui, d'accord. Et tu peux peut-être dire un mot aux gens parce que là, ils étaient au taquet pour toi. Bah écoute, je suis en train de découvrir un peu là tout ce qui vient de se passer. 22 600. Il a 22 000 abonnés. Il a 22 000 abonnés. Non, non, non. Stonks, hommage. Mais non, mais c'est pas possible.
possible. Ah les mecs, vous êtes... Oh là là, incroyable. Eh, merci les gens. Hein. Alors on a aussi une mauvaise nouvelle. Ah, bah, bien sûr. Oh, il va kiffer. On a un challenge. Par contre, tu connais. Ouais, mais déjà c'est la puissance d'Internet. Donc là, on est refait. Tu connais. Toi, t'es là depuis longtemps. Tu connais. Mais on a une mission pour toi, un challenge. Ouais. C'est que les gens, tu sais, ils sont pris au truc. Ils t'ont apporté leur soutien, mais maintenant, faut tenir la route. Ouais, ouais. Et donc, il faut que tu fasses un drum remix d'une autre chanson qu'on va te soumettre, qui est une chanson iconique pour Gotha, si je crois bien comprendre. C'est la chanson de son intro depuis. Je suis chaud. Ok, donc je vais t'envoyer le lien de tout à l'heure. Et les gens, ils attendent ça, quoi. Mais peut-être qu'il la connaît, hein, Monster. Monster Magentia, normalement. Je surestime JC. Ah, c'est trop cool. Et bah voilà, on te fait des gros bisous. Ouais, et je t'envoie le lien. Et merci, t'as géré, ouais, c'est trop stylé. Bravo. Bravo l'équipe, merci. Bisous, Jay. Ciao. C'est bien de faire si du bien. Savez. Ah non mais en plus JC c'est un vrai charbonneur depuis des années. T'as vu son petit rire en mode doucement, tu sais, ça se voyait que c'était réel. Il avait sa main comme ça limite, tu vois, c'était. Vous vous rappelez vos premières émotions, les premières vues, les premiers. Ah oui. Je me souviens très bien du premier. Ça a été quoi le déclic? Le 1000 vues, le 100 000 vues, le 10 000 vues, le 1 million de vues? Qu'est-ce qui a été? Non, moi je me souviens d'un gros truc à 30 000. C'était sur. J'ai fait le buzz, non? Au Supreme Exam peut-être. Alors il y avait. Alors non, mais surtout le plus gros. Foot à capote. Ouais. À la sorte, c'était pour d'action ou un truc comme ça. On avait fait une reprise de Foot à cagoule en Foot à capote. Et on l'avait mis sur YouTube, tu vois, mais je sais plus pourquoi. Deux jours après, je vais pour voir, tu vois, ouf. Et je vois 50 000. Énorme. Là, c'est des sensations de ouf. Je dis, il y a une erreur, c'est pas possible, de quoi on parle, en fait. C'est ça. Comment ils sont tombés dessus? T'as aucune référence, donc 50 000, c'est monstrueux. Ah. Et donc, ça, je me souviens, j'ai dit, ah ouais, la puissance d'Internet, ça commence. Ah, regarde, il est là. Vous êtes fort. Et c'est Carlito, et c'est pas la voix de Carlito, c'est un autre mec qui avait enregistré la voix. C'est moi qui ai réal le clip, plus joué dedans, mais c'est pas ma voix. Je représente. Mon blast c'est king size. Il y a pas de 16-9 les gars. C'est quand même dingue. Mini DV 4 tiers. C'est stylé pour l'époque en vrai. Ça c'était la première qu'on a sorti, qu'on a mis sur YouTube et on savait pas quoi. Quelle est cette soirée, il y a beaucoup de choses. C'est trop bien parce qu'on a prévu plein de jeux mais on va faire que la moitié. Kureiju no Jigoku wa Neidaru tu Shinji. Premier dog. Sare du Jin Trui Sayaku. Plus de voix. Itsumo tutsu o ni sasage yo, sasage yo, shizumu no sasage yo, subite. Tu vois, vous l'avez vu, non? Hakone toki no tameni sasage yo, sasage yo, shizumu no sasage yo. Tu dois détruire la chanson, je m'en excuse à 1000%, merci. J'ai une proposition pour la semaine prochaine. Oh merde. Tu la travailles et tu la fais correctement. Correctement. Voilà. Ah, parce que vous, la force que vous avez, c'est le truc, c'est que vous pouvez faire. Non mais ça marche. Enlevez cette image, regardez pas. Sinon ils m'entendent pas, ça grésille si je fais pas ça. Je suis obligé, d'accord. Je suis professionnel, des fois tu dois faire des sacrifices, c'est comme ça. Mais ouais, du coup la force que vous avez, c'est que vous êtes pareil en vidéo et vous serez pareil en live et vous avez le côté où les gens sont habitués quand vous êtes chill et quand vous êtes dynamique, tu vois. Donc tu peux être là en mode posé, tu parles. Bah oui, moi effectivement, je lis One Piece. Non mais tu vois, ils seront habitués, ils seront pas en mode choquant, en mode ah putain, Raph, je le connaissais pas comme ça. Ouais, il arrive quand la vanne. On a fait des podcasts qui s'appellent La Table Ovale et on a eu ce genre de réaction, on était trop contents. Parce qu'on est posé pendant 2 heures, il y a rien. Enfin, tu vois, c'est beaucoup moins dans le divertissement. On a des beaux retours, donc ça fait du bien. Je consomme la table ovale. Okay, mais là, j'ai envie que de répondre aux questions. C'est pas le but de la. Malheureusement. Mais par contre, on peut passer à une séquence que vous maîtrisez, donc vous redonnez un peu la main sur un petit concours d'anecdotes. Allez, légèrement improvisé entre nous. Une anecdote chacun. On fait ça par équipe. L'équipe qui perd aura un petit gage collectif. On peut faire les dons de subs vu que c'est du 2v2. Si vous gagnez, on vous donnera 100 subs cumulés. Si on gagne, vous donnez 100 subs à la chaîne de Gotha tout de suite. Sachant qu'on a déjà donné. Là, j'étais pas là. 500 balles. C'est bizarre, les subs, c'est addictif. Ça se fait bien le train live. C'est 500 euros, hein, sans subs. Ça se fait, on rend l'argent. Ça fait 250 chacun. Je vais me livrer. Au moins. On joue à Among Us hein, quand même. Hein. Ouais. Among Us, moi, je joue au concours d'anecdotes énormément. On joue au loup-garou aussi. Ah, pas de si facile. Une de mes passions cachées, c'est de regarder sur Insta les comptes de points noirs qui explosent là. Tu vois ou pas, tu sais, des gros plans sur des points noirs qui explosent et de regarder comment ça sort et tout. Et je regarde énormément ça et je suis beaucoup ça et j'en cherche vraiment très souvent. Et tu en cherches volontairement, c'est pas assez ouais. Ton... Non, quand ça, je suis très content. Très axé points noirs. Tu sais, les points noirs qui pop. Où ça fait longtemps, ou genre il y a vraiment du jus quoi. Il y a du. Ça peut être du jus. Ou alors avec les petites cuillères spéciales, tu mets autour avec un petit rond, t'appuies et tac, ouais, ça pop et tout. C'est des vidéos très médicales, c'est des vidéos de dermatos. C'est horrible parce que tu fais ça vraiment, c'est terrible. Et du coup, c'est la réponse, ce Raph ou pas? Oui. Vous jugez, c'est tout. On a créé ce concept. Ils sont dans le jeu, mec. Est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, personnellement, je trouve que c'est le pire truc à faire dans sa journée. Enfin, honnêtement. Donc... C'est vrai que prendre un temps dans sa journée. Il y a vraiment tellement de choses à faire. Même TikTok, quelques boulards, au pire, vas-y, je pardonne.
Il révèle. Hein non, c'est pas nous, hein, hein, c'est pas nous de raconter des trucs comme ça. Non, j'ai dit au pire. Au pire. Tu vas sur. Attends, non, mais moi je sais. En fait, c'est important ce qui vient de se passer. J'ai peur que ça soit faux parce que. Attends. Ah, bah non, boula. Au foot, quand tu. Un boula. Mais non, mais sérieux, vous avez. Quand tu joues un boulard, quand tu mets une énorme patate, genre un boulard. Vous mettez pas de boulard, vous. Mec, j'ai passé mon enfance à mettre des boulards. Il va falloir trouver. Moi, je pense que c'est fake, mec. Il a vraiment dit, genre, c'est-à-dire que tu le fais quasiment au moins une fois tous les 2-3 jours, quoi, pour dire que ça fait partie de ton quotidien. Une fois par jour. Une fois par jour. Peut-être même plusieurs fois par jour. C'est il a call. Attends, gros, il a call une fois par jour qu'il a regardé des points noirs. Pour te répondre même précisément, il le fait régulièrement. Moi, je dirais que c'est vrai. Vas-y, je te suis, mec, mais moi, je dirais que c'est. Attends, j'ai pas envie d'être. Non, c'est quoi, bah, on suit ton call. C'est ta faute. Bah, non, mais ouais, mais c'est le. Quelle est votre réponse? Moi, je dirais vrai, toi, tu dirais faux. Vas-y, on l'a fait au Shifumi. Shifumi. Ciseaux. Ok, bon, bah. C'est non. Faux. Eh bien, les amis, c'est totalement vrai! Personne ne peut applaudir pour un truc si terrible. C'est un des trucs qui crée ce sentiment de satisfaction. Mais il y a tellement d'autres trucs. Mais je sais, mais chacun ses trucs. Moi, ce que je préfère, c'est. Donc, il y a des petites cuillères rondes. Le mec le met autour du point noir, il l'appuie et ça le fait popper de façon hyper clean. Hyper. Alors, sachez que j'aime pas quand les peaux sont hyper trop chargées. J'aime une peau un peu nickel avec un petit point noir ou deux, ou genre dans les oreilles parfois. Hip hop, je fais genre. Oh. Les amis, il y a 70 000 personnes qui ont découvert cette passion. C'est une petite passion cachée. Alors, j'y passe pas non plus 3 heures par jour. Mais pourquoi tu fais pas le truc mais... presse hydraulique comme tout le monde? Ouais, alors, ouais, j'adore aussi. J'adore aussi. Je peux passer des heures sur la presse hydraulique. Mais imagine, t'as deux vidéos. Point noir à droite, presse hydraulique à gauche. Ça dépend du point noir. Mais s'il est clean et canard, je choisis le point noir. Point noir oreille. Vraiment, un point noir oreille. Pas 100% à 100%. Ok. 1-0 pour vous, les gars. Tout va bien pour l'instant. Vous êtes en sécurité. Gotha va vous raconter. Est-ce que Polo, tu peux leur montrer vite fait l'émission All-in qu'on a fait il y a pas longtemps? Poker? Non, c'était un peu Money Drop revisité. C'était Money Drop parce que vous avez connu Money Drop et Orange. Bien sûr, incroyable. Et bah écoute, on s'est dit, donc c'était en partenariat avec Orange. Et du coup, on a fait une émission sur mesure. Ah voilà, donc ça, c'est l'émission. On doit t'y présenter. On devait voilà, répondre. Bon, la première réponse était assez simple et on mettait justement tous ses billets sur Laurence. Ouais, bien sûr, évidemment. Et du coup, il y avait un truc sur mesure, justement, ce bureau sur mesure où les trappes avec une régie s'activaient à distance. C'est-à-dire que dès qu'on avait la bonne réponse, t'as toutes les fausses trappes qui s'ouvrent. Ouais, sauf que genre, qu'est-ce qui se passe? Une demi-heure avant que le live commence, la trappe à ma droite, là, quand vous voyez sur la rediff, ne marche plus. C'est-à-dire qu'elle ne se fermait plus. C'est quand même une OP avec Orange, etc. C'est très big, etc. Et forcément, si le concept de l'émission La Trappe ne s'ouvre pas, c'est problématique. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'équipe qui s'est occupée justement. Du coup, ils se sont dit, bah, écoutez, vu que c'est de notre faute le problème, qu'est-ce qu'on va faire? Toute l'émission, on va mettre un mec à l'intérieur qui va manuellement refermer la dernière plaque. On fait l'émission. Moi, j'étais au courant de ça. On a parlé forcément parce qu'il fallait qu'on commence l'émission, tu vois. Au bout d'un moment. Doug n'était même pas au courant. Ah oui, on a vu le mec sortir à la fin. Voilà. Toute l'émission, il y a ce mec à l'intérieur. Bon, nous, on pense que ça va, etc. Du coup, on fait l'émission. Tout se passe bien. On se check à la fin. Il y a eu énormément de viewers. Je crois qu'il y a eu 70 000 personnes, etc. Tout le monde a kiffé le concept. Et du coup, le mec sort. Doug découvre déjà qu'il y avait un mec à l'intérieur. Et le mec est tout transpirant. Tu vois, genre il y a tout qui, genre dedans, c'était vraiment une fournaise, d'accord. Donc on lui dit bah merci et tout, mais voilà, c'était cool, etc. Nous, on se check, on fait les photos ensemble. Du coup, le mec part, etc. Moi, je rentre chez moi ensuite après. Je lance mon live, etc. Et là, il y a un mec dans le chat qui arrive, qui fait mon papa est malade à cause de ton émission. Moi, je comprends pas trop le truc malade. Je pense que c'est un troll, donc je commence à le démarrer sur le chat. Tu vois, j'aime bien faire de l'ironie, du second degré, etc. Au début, je commence à me foutre de sa gueule, et après, il parle de son papa qui était justement dans la box. Sauf qu'en fait, il peut pas avoir l'information. Les seuls qui ont l'information, c'était les gens qui étaient à l'émission. Et encore, il y avait juste l'équipe technique et 6 personnes, quoi, à tout casser. Donc voilà, est-ce que mon histoire est vraie? Ouais, déjà, tu l'as bien vendu. Oui, c'est très très bien vendu. C'est-à-dire que ce soit vrai ou faux, c'était un bon moment. Peut-être un peu trop. Un peu trop, malheureusement, parce que c'est faux. Mais en tout cas, c'était un bonheur. Est-ce que je peux faire une technique de mentaliste? Est-ce que tu peux mettre tes deux mains comme ça? Je l'ai vu, ce truc-là, je vais essayer. Mets tes mains comme ça, genre, il faut pas que tu les appuies. Qu'ils soient comme ça. Ok? Donc tu me laisses faire, tu fais rien, ok? Tu t'appelles Corentin. Oui. Ok? Tu bouges pas, toi, tu fais rien du tout. Mm-hmm. Tu t'appelles Thierry. Non. Tu t'appelles Corentin. Mais réponds pas. Ne dis rien du tout. Cette anecdote est vraie. Cette anecdote est fausse. Oh. T'as vrai. J'ai aucune analyse. Je me suis dit, il va nous sortir un truc de génie. Tu me fatigues, mec. Je me suis dit, ça y est, on est mort. Il a l'air de trop savoir ce qu'il fait, c'est foutu. Frère, c'est fin de carrière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Cette anecdote, mon cher Corentin, malgré qu'elle soit bien racontée, malgré qu'elle que, malgré bien, que, hein. Malgré que, c'est toujours un piège. Non, c'est lancez pas, elle est fausse. Ok. Cette anecdote était vraie. Let's go. Putain, mon analyse. Non.
C'était au sûr début. Non, elle était vraie au début. Après, non. Désolé, Doggy. Ah, y'a vraiment pas le mec qui est venu malade? Bah non. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais je voulais pas être trop prétentieux. C'est que le début, t'as fait une technique qui normalement est interdite. Sérieux? Donc elle est fausse, oui, elle est invalidée. Ah, il a pris du vrai pour invalidée. Mais moi, je savais pas, tu vois, je suis pas complice. D'ailleurs, on est plus dans les concours d'anecdotes. Putain. En fait, normalement. C'est horrible ce que je fais. C'est pour... Il nous invite. C'est pour... Qui vous invite? Je vous invite. Moi j'ai cru à ce mec. Par contre, no joke, c'est véridique. La trappe, elle s'est vraiment. Le mec est sorti. Le mec est vraiment sorti en à la fin, moi j'étais pas con. Il avait des larmes, gros. Ah. Normalement, dans les concours d'anecdotes, la règle c'est soit. Et c'est en fait, vrai, j'ai vu ton regard en mode ok, là il me croit de ouf parce qu'effectivement, tout ce que je t'ai dit, bah c'est voilà. Donc après, je me suis dit, vas-y, je pars en couille. Oh waouh! Wow. T'as ruine, gros! Elle ah ouais, j'aurais dû m'arrêter. Jamais de l'aurait trouvé. On veut parler à cette personne. Non, mais ce mec, vraiment. Mais il est sorti comment super? Il est sorti, tout le monde applaudit. Moi j'étais pas au courant. L'émission elle se termine. Moi j'étais pas au courant. Moi je fais toute l'émission normale. Y'a pas un gars pour moi en dessous. Y'a un bureau sur mesure. L'émission se termine. Ils sont en mode, attends, faut ouvrir au mec. Comment ça, ouvrir au mec? Ils ouvrent. C'est vraiment un petit bureau, hein. Tu vois, c'est un bureau. Ils ouvrent, il y a un gars tout de suite, hein. N'avait même pas commencé à être ouvert, que la tête était sortie. Il a tracé, il a vraiment tracé en mode... Ah, en mode quoi, vexé? Non, pas vexé, c'était cool l'émission. Moi les gars, c'est bon, j'ai fait mon top ce soir. Et toute l'émission, j'espère qu'il y a une augmentation, parce que du coup, c'est son équipe qui a... Et du coup, la table, elle avait un dysfonctionnement, donc du coup, il s'est porté garant. Il est sorti d'un coup, son taf, la soirée, Jeff pourra t'en parler, c'était de remonter la dernière trappe au même moment que la machine pour remonter les autres. Ça me rappelle Inox Tech qui était resté enfermé dans le petit truc quand on avait fait Mario Kart Double. Oh non, on se rappelle même pas de son prénom. Non, les gars, c'est un super-héros 5 cap. Oh là là, mais what the fuck, mais elle est. C'est... En plus, c'est une balle perdue, c'est complètement gratuit. Ouais, c'est une balle perdue. Et le pire, c'est que le coiffeur devait venir aujourd'hui pour me faire la barbe et tout. Il est pas venu. Donc j'ai le droit. Donc l'histoire était vraie jusqu'à ce fameux enfant qui vient sur le chat Twitch. Mon papa est malade. Donc c'est faux. Et au pire, ce qu'on fait à la place, que ce soit eux qui fassent. C'est toi qui enchaînes sur une deuxième. Et si là, ils trouvent direct, on a perdu d'avance. Comme ça, ils ont pas besoin d'en faire une autre. On va revenir un peu dans le passé, les gars. 2007, t'avais parlé de 2007. Pardon, tout est génial. C'est quoi, j'ai envie de même plus. Oh, incroyable. Vous êtes forts. Vendredi 5. On devait pas jouer à des jeux vidéo. Moi, mec, je suis dans un état. Mais j'adore, hein. Moi, je suis heureux. Et si... le Bibi est impressionné. Hein. Si, merci beaucoup. Ouais. Si le chat est content et que les viewers sont contents, je pense qu'il passe une excellente soirée. C'est tout ce qui compte. Hein. Moi, je préfère discuter. On peut prendre ce temps. Est-ce que les gens kiffent? Nous, ça nous intéresse toujours. Est-ce que vous vous rappelez que la première fois que vous avez invité, j'étais à fond et vous aviez notifié aussi qu'on était à fond sur le chat et tout. C'est trop bien. C'est parce qu'en fait, vous avez l'âme. On n'a pas l'habitude. Non, et c'est parce que vous faites ce métier-là pour vous connecter aux gens. Moi, je l'ai ressenti. Il y en a qui le font pour jouer aux jeux vidéo, etc. etc. Vous le faites. En fait, c'est une excuse, vos vidéos. Tous vos concepts, ce sont des excuses. Moi, j'ai lu en vous. Vous voulez juste échanger avec les gens, vous voulez être connecté avec les gens. Vous sentez vivant quand vous êtes connecté avec les gens. Ça me plaît. Mais vendredi 5, il lui faut de la logistique pour Phishing Simulator. On va s'occuper de tout. J'ai commandé deux câbles Ethernet de 20 mètres. Je vous mets les meilleurs sur le coup. Voilà ce que j'ai fait techniquement. Il n'y aura aucun bug son, aucun bug image. Ok. Après, c'est toi et ton gameplay. Bon, revenons sur cette anecdote. Restez concentrés, s'il vous plaît. Yes, sir. Donc, on revient dans le passé. Il y a plein d'informations importantes. On va revenir vers les années. Je sais pas, on peut pas être si précis que ça, mais 2012-2013, quoi. Cette époque-là, sachez que j'étais joueur professionnel de jeux vidéo. Mon métier c'était ça quoi. Donc on revient vers ces années-là. Du coup on revient, j'ai entre 17 et 19 ans pour faire simple. Et du coup on est en gaming house, c'est un lieu où en même temps on joue la journée, on s'entraîne, c'est notre métier. Et à côté t'avais une salle pour dormir, pour se faire à manger, pour faire sa lessive. Et t'étais, voilà, tout est fou frais payé par la structure. Nourri blanchi, un peu payé, très léger par rapport à ce qu'on génère aujourd'hui. Mais suffisant pour avoir une vie que tout le monde rêve quoi. En tant que joueur de jeux vidéo au quotidien. Donc c'était un cadre, dès que t'as fini ta journée de training, dès que t'as fini tes petites missions, t'es avec tous les potes des joueurs, tu vois, et donc des adolescents entre 17 et 19 ans qui restent très très enfermés alors qu'on était à Marseille, mec. Je me suis rendu compte 4 ans plus tard qu'il y avait la plage. Ça, c'est fou. C'est vraiment des connards, on aurait pu vraiment vivre une vie de rêve. Fou. Et au lieu de ça, on était en train de game H24. Et donc, du coup, à ce moment-là, il y avait des joueurs COD, il y avait des joueurs League of Legends, il y avait des joueurs Counter-Strike, je fais simple, des joueurs StarCraft, plein de gens. Et du coup, ça nous permettait Ouais, StarCraft. Et il y avait Gotha de passage à ce moment-là parce qu'il y avait son équipe COD qui s'entraînait. Parce que des fois, il y en a qui viennent une semaine, deux semaines, ça s'appelle un bootcamp, et ils repartent parce qu'ils ont une compétition en. Et d'autres qui vivent à l'année. C'est voilà, deux choses différentes. Et Gotaga était de passage parce qu'il devait préparer une compétition avec son équipe. Nous, on était joueurs League of Legends et moi, je traînais aussi avec d'autres joueurs code. Et c'est vrai que Gotha, il était un peu à part. C'était vraiment le mec. Faut pas lui faire de mal, faut pas lui dire une critique parce que ce mec-là peut mettre fin à ta carrière comme ça. C'était la légende de l'époque. Il était déjà hype. Ouais, il était déjà. C'était le big boss de code. S'il voulait mettre fin à ta carrière, il faisait ça. Il était en mode, toi, t'as plus d'équipe. T'as éteint le mec avait plus d'équipe en deux. Non, mais dis la vérité, t'as éteint combien de personnes? Non. En tout cas, est-ce que t'avais ce fameux pouvoir? C'est pas dans l'anecdote, les gars. D'accord. Non, c'est pas ça, c'est que disons que... Une bonne demi-douzaine, quoi. Allez, mec, il faisait ce qu'il voulait. Mais moi, je vais dire une vérité sur Gotha qui ne l'avouera jamais. Dès qu'il y avait une équipe qui se formait, qui était un peu plus forte que lui, il venait piocher des petits joueurs. Comme ça, il affaiblissait l'équipe concurrente en renforçant la sienne. Et c'est normal, il a jamais laissé le temps aux gens de se stanner. Il faisait ensemble, oh, il commence à devenir trop fort, je prends lui. C'est de la politique. Le mec est en mode, mais je vais jouer avec Gotha, pourquoi je dirais non? Du coup,
c'est de la politique. Oh. Godaga a inventé ça dans le game. Donc moi on me racontait ça. Donc moi je voyais Gotha comme ah ouais Gotha personne ne le touche, on lui fait rien. J'étais en mode mais gros les gars, moi je fais ce que Gotha, moi j'en bats les couilles Gotha. Il me parle de quoi Gotha, pas Gotha, rien à foutre. Et tout le monde était en mode mais t'es un fou mec, t'es un fou. Moi j'étais sur les gars, fais genre. C'était loin ça. Je leur dis à un moment où je sais plus comment ça s'est dit, mais on arrive à ce sujet là en mode et je dis à un gars est-ce que toi tu peux dire que t'as jamais eu un zizi sur le visage? Il dit ouais moi je peux le dire. J'ai un autre gars, et c'était un peu un jeu Gaming House en mode bah ceux qui ne pouvaient plus le dire c'était un peu gênant tu vois. Et j'étais en mode bah à partir de ce soir Gotha pourra plus jamais dire qu'il a jamais eu un zizi sur le visage. Il était en mode non mais arrête hein, enfin, ouf. Mais... il dormait paisiblement Gotaga. Au moment quand il dort hein. Ça faut le savoir que c'est hors anecdote, un réveil ne le réveille pas. Oui ça c'est vrai. Vraiment. Donc Gotaga dormait, et moi je voulais un peu impressionner Agari, un peu dans tu connais hein. C'est une connerie, faut pas le faire. On excuserait jamais la scène d'ailleurs. J'arrive dans la chambre et je vois vraiment le visage de Gotha. Je vous raconte la scène, il est vraiment tourné comme ça. T'as vu sa position d'enfant là de tout à l'heure? Quand il dort, c'est un god. Je sais pas quelle a été son enfance, mais il a ses réactions de, il redevient un bébé, genre. Ouais. Il était vraiment comme ça pour te montrer le, tu sais que son visage était accessible. Non mais vraiment, mais rigolez si vous voulez. Moi, il y avait une surface visible. Vraiment. Et c'est super important pour la suite. C'est super important pour la suite. Les gars, entre nous, même si ça part sur une bifle là. Pas vraiment. Moi, je suis pas d'accord avec ce terme. On pourra en discuter. Une doigt bifle. Je viens poser délicatement. C'est pour ça que pour moi, je suis pas d'accord. Vraiment, je dépose et dans le creux. Regarde son creux. Mec, regarde son creux. Et il était plus formé avant. On a envie. Tu vois ce creux de la joue? On a envie. Je l'ai déposé là et je vous jure, il a souri. Non mais vraiment, vous avez cru que c'est un détail qui sert à rien? Son visage, et je peux le comprendre. Son visage. Bah oui, la petite chaleur. Mais je sais pas en expert. La chaleur d'un sgeg sur son visage. Moi j'ai cru qu'il allait se réveiller. Écoute bien le proverbe qui vient de sortir. La chaleur d'un sgeg sur un visage, c'est comme le bisou d'une maman. Peut-être mec. Il y a eu des témoins, des photos? Toutes les personnes qui étaient là, donc les joueurs Call of Duty. Je peux citer des blases, mais c'est relou, mais Carnage, enfin, il y avait des... ça va pas vous parler. Est-ce que cette anecdote, c'est pas un fil rouge qui est déjà sorti, les gens la connaissent, mais n'ont jamais eu la... Pour moi, je rajoute un truc à l'anecdote. J'en connais un peu. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'à la dernière fois qu'on est venu il y a un an, vous aviez déjà parlé de la bifle. Oui, parce que dites-vous que c'était le. Si vous voyez tout ce décor-là, tout part de cette histoire-là. Ouais. Vous êtes en train de nous dire que vous allez révéler ce soir aux gens si ce truc-là, ce fil rouge, depuis combien de temps que vous allez commencer à raconter? 3 ans maintenant. Vous allez révéler ce soir. Ouais. Si on dit faux et qu'on a raison, on gagne. Si on dit faux et qu'on a tort, c'est incroyable de savoir que ça existe. Donc on est gagnant quelque part dans tous les cas. Donc ça voudrait dire qu'on dirait faux? Ouais. Je pense qu'il faut vriller et passer au vrai. Dans 30 secondes, je vais vous poser la question. Je veux pas vous presser pour autant, hein, mais... T'as l'air confiant. Dans 30 secondes, je vais vous poser la question. Je pense qu'il faut partir au vrai. McFly Carito, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Cette anecdote, elle est vraie? C'est votre dernier mot? Ouais. Yes. Mesdames et messieurs, cette anecdote est totalement fausse. Putain, c'est faux les gars. Putain. Non mais dites-vous si c'était vrai. C'est quoi ton titre? Putain, tu m'as fait briller. C'était quoi ton truc? Mais regarde, c'est lui. Il a pas. Mais oui, tant d'années, ça y est. Ça y est, déception au mal, tu vois. Il y a évidemment des choses qui s'effondrent. Bah, y a une magie. Il y a des vies, il faut reprendre une vie normale. Au moins, on peut passer à autre chose pour nous, tu vois. Et bah messieurs, je crois que ça va jouer sur la vôtre. Si on se trompe, on a perdu, vous gagnez. Si on trouve... on a gagné, vous avez c'est pas mal. Vous le savez peut-être si vous suivez notre chaîne, David et moi, on a un vrai affect. J'ai tout vu. Avec le lycée. Totalement. Puisque c'est la période où on s'est rencontrés, la période qui a changé nos vies à plein d'égards. Là, c'est vrai. Ça, c'est vrai pour l'instant. Concernant notre bahut, on y retournait depuis qu'on a quitté ce lycée il y a 16 ans maintenant. On y retournait régulièrement, ok? Avant même d'être McFly Carito, enfin McFly Carito. Ouais, quoi. Avant, en tout cas après le bac, on décidait avec les potes d'y retourner assez régulièrement. Alors de façon illégale. Et en vrai, par amour pour ce bahut. Hein. Dans ce grand bahut, il y avait donc une cantine. Et un jour, on s'est dit, est-ce que c'est pas la première fois qu'on y retournait, mais est-ce qu'on pourrait rentrer dans cette cantine? On a testé et il se trouve qu'il y avait une fenêtre sur toutes les fenêtres, une fenêtre qui n'était pas close. De nuit, du coup. En pleine nuit, bien sûr, pardon, j'ai pas précisé. Excusez-moi, okay. En pleine nuit, à chaque fois qu'on y allait, c'était la pleine nuit. Ah, donc il y avait personne? Personne. Ah pardon, moi je croyais... Excusez-moi, okay. Putain, je suis dans l'émotion. Super important comme... Oui. J'ai pas contextualisé, je suis désolé. Il y a le volet, on ouvre, on entre. Je sais pas si vous imaginez, on se retrouve dans notre cantine avec personne. Il y a une sensation comme ouais, ça, je comprends. Comme le train de la hype quoi. T'es à 8000% immédiat quoi. T'es à 8000% immédiat du train de la hype de la cantine. On se dit bah vas-y, on va là où on pouvait jamais aller quand c'était official, tu vois. Les cuisines. Et exactement, il y a les cuisines, tu passes les cuisines et quand tu vas au fond des cuisines, il y a le frigo. Et nous, vous savez peut-être, mais notre rapport à la bouffe, même si maintenant toi tu deviens tort, on s'est retrouvé là-dessus. Le premier nom de notre boîte c'était Fat Bros, tellement on adorait manger. Et on adore la bouffe et on se dit vas-y, go chambre froide. On l'ouvre. Tant bien que mal, bam, et on l'ouvre. Et pour nous, il y a des gens qui veulent des lingots d'or, des diamants et tout. Et pour nous, il y avait toute des la charcute comment on appelle ça? Tu sais, dans pas surgelé, mais saucissons, ouais, les saucissons, les jambons, mais dans des sacs où il y a plus d'air dedans, tu vois. Sous vide. Ouais, voilà, sous vide. Pour nous, mais c'était
des saucissons de cette taille. Hein, ouais, ouais. Bah, là, pour la cantine, t'imagines les quantités, le jackpot. On prend, bam, bam, on se donne aux potes. Mais mec, c'était le bonheur, la caverne d'Ali Baba. En vrai, il n'y en avait pas tant que ça. C'était genre 3-4 gros saucissons et t'es trop heureux. T'es là, tu fais. Mais quand tu regardes les photos, puisqu'on a des photos de cette vraie anecdote, c'est génial, t'as des énormes sauciflards et tout. Et voilà, on a pris ça, et pour nous c'était un butin, et on est sorti tant bien que mal. Vous l'avez mangé sur place ou vous avez des photos mais on est aviez... sorti du bahut, et on a consommé ça vers une gare, dis pas les lieux, alors que les gens savent très bien dans quel bahut on était. Attends, vous avez quel âge? Là c'est 20, 25, j'en sais rien. À ce moment-là, plutôt je dirais. Entre temps, le lycée a été totalement refait. Et ils ont barricadé et tout parce qu'avant c'était genre on passait sous un truc qu'il n'y avait même pas d'effort à faire. Ne faites pas ça chez vous évidemment. C'était un moment génial entre nos potes qu'on a toujours. Et c'est la fin de l'anecdote. Non c'est faux mec. Les amis, il est temps de donner votre réponse. Moi j'ai pas envie de grid mais je pense que c'est faux mec. Je te fais confiance. Quelle est la réponse officielle à cette anecdote? Nous pensons que cette anecdote n'est pas totalement fausse mais elle est fausse. Non vous avez déjà fait peut-être ça mais pas comme ça quoi. Cette anecdote les amis, elle est 100% vraie. Menteur. Bébé! Je veux la photo du saucisson. Mais c'est incroyable! Ça, c'est pas bien par contre ce que tu fais. On ne trichera jamais. On n'a jamais eu ça en plusieurs vidéos. Jamais on ne trichera. Sur la vie de nos enfants, c'est la vérité. C'est impossible. 100% vrai. Ce lycée était vraiment très très mal isolé. On y allait. Il y a pas de cam, il y a rien. Non, mais je vois pas. En fait, le délire, t'ouvres la chambre froide et tu prends du saucisson. Merci! Ils sont avec moi. Voilà! Ta réaction. Alors je vous explique. Si vous voulez des attends juste, on était avec notre ami. On peut dire les blasts? Non. En tout cas, il y a un ami dont c'était le mariage. Après, oui. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ça et on s'est speedé. Après, on s'est dit, quand même, c'est pas ouf en termes de justice. On s'est un peu dépêché. Il y avait le grillage pour sortir. C'est quand même des grillages un peu sport. Il y a un de nos potes qui s'est pété la cheville. Qui s'est fille, qui vraiment... était en béquille au mariage d'un des gars. Ouais. Ce lycée a été pour nous. C'est là où on s'est connus. C'est là où nos rêves ont grandi. C'est là où on a fait de la musique ensemble. On a connu l'amour. On a connu l'amitié. C'est la première fois qu'on s'est libéré des chaînes de la vie parce qu'on se disait, faisons des gags, libérons-nous. Et jamais on s'est fait punir parce qu'on faisait beaucoup de gags, beaucoup de happenings. C'était vraiment extraordinaire ce lycée. Et quand ça s'est arrêté, c'était vraiment dur. Et on y retournait vraiment la nuit pour chiller avec les potes dans la cour. Mais tu poses devant comme tout le monde. Je vais demander aux gars. Je vais demander tout de suite. Tout le monde veut les photos par contre. Ouais, je vais essayer de vous trouver. Mais ça. On chillait vraiment sincèrement. Regarde ça, ils retrouvent les images du lycée. Parce ça, qu'il se trouve que. Bon, ça, c'est au lycée, on avait fait un concert improvisé parce qu'on faisait souvent des conneries. Donc, on avait demandé à la proviseure de faire un concert dans le lycée. Elle avait dit non. On avait dit, bah, ok, on va le faire quand même. Et donc, on avait filmé. Vous avez pas vu cette vidéo? C'est là, je l'ai vu, ouais. Et donc, on a retrouvé les images parce qu'on a un pote qui avait filmé à l'époque et regardé. Non, ça, c'est trop bien, ça va. Et tu vois, c'est cette cour-là. C'est ce que j'apprends à mes filles. Ça, c'est génial ici. Il y a des conneries qui font pas de mal. Voilà. Qui font du mal à personne. Et tu sais que de toutes ces conneries-là, jamais aucun n'a été puni. Moi, j'étais au conseil de classe. Je faisais des gags dans les classes. On rentrait, on faisait des rugby dans la classe, on improvisait. Jamais les profs ne nous ont punis ou quoi parce qu'ils disaient. Oui, c'est pas autorisé, mais je dois avouer que ça fait mal à personne. J'ai une réponse d'un pote là. Qu'on doit écrire, c'était. Je crois que j'ai ça, il faut que je fouille. Un de vos meilleurs souvenirs de YouTube? Ouais. Extraordinaire. De pouvoir refaire ça, la chance de refaire ça. Ça date d'un truc qu'on a fait 15 ans plus tôt où nos plus gros rêves dans notre vie, le plus gros rêve, c'était de faire un album. Imagine que ce soit un rêve qu'on va bientôt réaliser. Ça serait fou, t'imagines si c'était ça? Ce serait dingue. Alors, attends, avançons. Qu'est-ce que j'en entends là? On va faire un phasmophobia. Moi, je suis chaud pour phasmophobia. Allez, le chat. On y va. Par contre, là, pour ce qu'on vient de faire, nous on doit payer des subs, du coup on paye des subs à leur chaîne. Mais ça marche pas sur nous. Non, mais ça marchera d'ici votre live. Votre live démarre. C'est quoi, mais les gars, vendredi, on est sur la chaîne de Mathieu. On va les payer maintenant, à ce moment-là. C'est quoi, on a perdu quoi? Moi je propose 100 subs chacun. 50 subs chacun? 100 subs chacun. Il a voulu. 100 subs chacun, 15 subs chacun. Mec, on a perdu, on s'est trompé deux fois gros. C'est 500 balles gros. Ah, c'est ça. Ouais, mais. Moi déjà le mercredi, je file. Regarde, ils sont là, il est 22h passé, ils sont encore avec nous, mec. Ils sont pas partis. Il m'a pas dit encore le terme spaghetti. Franchement, c'est vrai qu'il a pas dit spaghetti. Pour l'instant, c'est vrai qu'il a pas dit spaghetti. Les gars, leur chaîne va passer partenaire avant vendredi. Soyez là vendredi soir. Nous on arrive directement. On paye nos subs, on paye nos dettes et on a perdu, c'est comme ça. N'oubliez pas que si le train de la hype repart, on devient fou. On doit l'amener jusqu'à un pourcentage assez dingue. Voilà, c'est chaud. À cette heure-là, c'est chaud quand même. Ah ouais, c'est bah, dur, plus tu vas dans. Vas-y, 100 subs chacun. Je connais vas-y, pas. Vas-y, 100 subs chacun. Vous venez de prendre 100... 1000 balles déjà. Un petit strike rapide. Avec plaisir. Petit strike, 50 subs de dettes. Petit strike, McFly. Il y a mon pote qui dit qu'il cherche. Attention, si on arrive avant la fin de la soirée, c'est fou. Un seul tir, un seul coup, on met vite fait le gameplay. S'il y a un strike, 50 subs, Dog. Valide, s'il te plaît. 100 subs s'il y a un strike. Putain, il. Ouais. 50. En plus? Oui. Vas-y, je valide. Pas. Hey, il a dit je valide, il a vu le lancer là. Non, je dis je valide pas. Non, si, bien sûr que c'est validé. La barre, mais il est vraiment devenu trop fort. Un autre, c'est moi qui paye 50 subs en plus. Mais il est vraiment trop fort. C'est le dernier coup par contre. Il est trop fort, c'est incroyable. S'il te plaît, fais-le. Non mais mec t'es intouchable. En fait faut pas jouer avec lui. Ne joue pas à ça avec tes gosses hein. Et on doit 150 subs chacun. C'est noté, c'est bon, tu l'as? Putain, c'est noté. 150 subs les gars. Putain, ça quelle fait combien soirée, ça les amis, quelle soirée.
150. Oh là 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 là. C'est 750 euros chacun quand même. On donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Vous venez faire 1500 euros là, les gars. Vous êtes les premiers invités du lundi soir payés. Oh, mon Dieu. 1500 euros, merci pour la réduction, monsieur. Il n'y a pas de je fais un strike, ça l'annule, non? Je fais un strike, on annule tout. On annule même la soirée, tout le monde oublie Attends. Tout. Oui, si tu fais un strike, ça annule tout, mais si tu le rates, tu doubles tout. Ah, j'ai pas envie. Frère, moi tu joues pas pour moi, tu joues que pour les tiens. Tu peux demander son avis au chat si tu veux. Il est très joueur. Là, tu viens de taper sur le Gotha. Attends, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui tout double, chers amis du chat? Moi, je le prendrai pas parce que moi, je sais que je. 1500 euros. Ok. Les tiens sont valides, il n'y a pas de débat. Tu prends pas. Soit j'annule 1150 subs, soit je passe à 300 subs. Sachant que si tu touches une barrière, c'est ciao. Oui, c'est sans barrière, mec. Moi, je le prends. Tu auras un truc test? Non, non, c'est gros, il s'est réveillé, il l'a. J'adore cette soirée. J'adore cette soirée. Let's go. T'es fort. Il vient de gratter 150. Non mais c'est bon, lâche là. Oh là là, là, là. Oh, heureusement vous l'avez pas vu, hein, les J'aurais gars. J'aurais dû faire qui tout trip. Oh le Winky. Oh là là. Oh là là. C'est votre soirée, vous êtes trop fort. On a le dire, fluide royal ce soir. Ce soir, non, c'est leur on a beaucoup donné. Hein. Et ça, faut le dire parce que partout où vous allez, vous faites le taf quoi. Bah, c'est la famille, vous êtes des super clients. C'est ouais. Comme tu l'as dit, on a beaucoup charbonné et on sait ce que c'est ce trésor. Ces gens qui écrivent, qui c'est nous vrai répondent. Qu'on focus beaucoup sur le chat, mais comme nous, c'est YouTube. Non, mais même les commentaires, on fait pareil. Hein. Les commentaires, on est pareil que les commentaires. Mais quand on fait des lives YouTube, on est pareil que ça. Il est 23h, les gars. À ça. J'ai dormi vraiment. Attends, il a la photo. Je connais ce regard. Je connais. Il a la photo. Il a la photo. J'y crois pas. La photo est déjà là. Faut flouter les potes, quoi. C'est juste ça. Faut flouter les potes. Et surtout, on peut pas flouter en live. On peut pas flouter en live. Vas-y, on mais flûte oui, en live. Comment j'ai pu? Bah alors donc les amis. Non, attendez. Si, non, si. Attendez parce que j'adore jouer. Ah là là là. Je suis pas sûr qu'on vous la montre comme ça. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je pense sur le chat. Je dis ok. La photo là. Chouchou. Non, en plus, j'ai pas d'énergie pour assumer le tout. Il va arriver, gros. Si tu le provoques, il va arriver. Non, non, je rigole. Oh, il y a un train de la hype qui est reparti. Et bah, mesdames et messieurs, train de la hype. Regardez, il y a les mots. Mais qu'est-ce qu'il faut faire donc, c'est comme tout à l'heure, mesdames et messieurs. À partir de maintenant, c'est 5 minutes. En attendant, non, mais c'est très important. Ouais, mais le record, c'est combien? Il y a une photo. Si le record est battu, la photo est tout de suite. Pas mal. Sinon, c'est en fin d'émission. Vous avez 5 minutes pour vous abonner à la chaîne pour faire monter. Au début, il y a des petits niveaux. Franchement, vous allez les teclats. À partir du niveau 5, il faut l'exploser, c'est-à-dire qu'il va atteindre 100%. Oh là là, mais ensuite, on va aller chercher combien de pourcents? 1000%? 4000%? Non, il faut aller 4000. Ok, et bah écoutez, faut faire mieux que 4000%. Non, mais c'est un. C'est un record. Faut directement rebattre un record. Bah, parce que c'est un mec, c'est impossible. Non, mais vraiment, c'est pas possible. Deux records en une soirée, pourquoi? C'est un record. Un train live pour cette photo. Moi, si j'ai. Un train live sur cette photo, les gars. Dans la vie, il y a des trains qu'il ne faut pas rater. Pas mal, pas mal, pas mal. Ne venez pas retard. Déjà, le mec, on est large, j'entends. On est large. Quelle heure il est, les gars? Attends, quelle heure il est? Il est 23h. Il y a combien de personnes sur le live, pardon? 75, on est plus, que tout à l'heure. Let's go. Allez, on peut le faire. Allez, les gars, même ça, ça va. Monte, niveau 5. Mais rappelez-vous qu'on n'a pas les mêmes stats ici que sur Twitter. C'est pour ça que nous, on veut les. On veut les vrais stats, putain. Les gars, ils ont 4030. Il est déjà à 3000%. Mais non, mais tu racontes. Regardez, il est là. 3300. What the fuck? C'est quoi cette connerie? Gros, ils ont encore 4030. On va à 10 000. Si on va pas à 10 000, il n'y a pas de temps. 10 000 pour la photo. 10 000, mesdames et messieurs. 4 minutes et 20 secondes. Vous qui vous êtes posé la question, n'hésitez plus. Vous avez le temps de créer un autre compte, de vous réabonner. Abonnez-vous avec tous les comptes de la famille. Quoi? Mais c'est full bugué, c'est pas possible. Mais c'est incroyable. Non, ça va refresh, je pense. Je ne comprends pas. Non, mais là, non, c'est pour voir une photo, les amis. T'as la vérité, là, t'as la vérité. 4700. On va atteindre les 5000%. Mais ça va aller à 10 000, mesdames. Allez, il reste 2 minutes 30. Il reste 2 minutes 30. Tilali lolo lili. Tilali lolo lala. Tilali lolo lili. 7300 et il vous reste 1 minute 30. Je ne sais pas si c'est jouable. Je ne sais pas si c'est. Tu vas atteindre combien? Toi, t'as dit combien? On est à 7300. T'as dit 10? Moi, je vois même 91. Oui, mais regarde. Descends. Quoi? Non, mais non, pas 91. 91 000 personnes sur le. Mais non, c'est pas. On veut je vois 4 ans, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Attendez, ils veulent tous voir la photo en fait. Je sais pas si on va faire les 10 000. Il reste 5 secondes! Il reste 5 secondes! T'es pas connecté! Mais si, c'est ma chaîne, bien sûr, je suis connecté! Tu peux pas! C'est fini! 9007! 9007! Non, pas si proche! S'il vous plaît! C'est impossible! Combien? Pas 9007! On voulait voir! Non, pas 9007! C'est incroyable, les gars, rendez-vous! 9009! 9009! Eh, tu screenshot, attends, t'es prêt à screenshot? Screen. On a 9934, non! C'est fini! Non! À 9000, les gars, c'est. Attends, les gens ont dit, ils ont eu 10K, les gens! Ils ont utilisé, pas toi! Vas-y, pareil! Tu l'as? T'as combien? 10 056. Oh!
Elle existe. Mais attends, combien de secondes il est resté? Mais les gars, vous êtes à 0 secondes pile. À 0 secondes pile, 10 056. C'est incroyable. Non, oh, j'ai beaucoup, j'ai énormément. Sur mobile, j'ai 10 400 inscrits. Les gars, regarde, regarde. C'est bon, on les a tous. J'ai 1000 mentions là. 10 400. Par contre, il est full bugué leur truc. Le train, il est pas prêt. C'est pas un TGV ce train là. Les gars, je pense qu'on peut applaudir le chat là pendant 10 secondes non-stop au moins. Le chat, avalanche de cœur sur le chat. Et là, c'est bien parce qu'ils vivent les moments super cool. Mais même quand c'est des moments difficiles, ils sont là, ils soutiennent. Vous êtes les boss, les gars. Ils sont là dans toutes les situations. Vous êtes les meilleurs. Go Twitch. Les gars, est-ce qu'on se dit que vendredi, sur ton live fishing, parce que moi, je sais que je dois payer 300 subs. Donc t'inquiète pas, le train, je vais mettre de l'essence dedans. Donc moi, je pense que le record, on le bat sur ta chaîne vendredi soir. On se dit, tu commences à live, on parle ensemble, machin, etc. Et à un moment, on va activer le train. Il faudra battre le record. Ouais, mais mec, c'est quand même sur une chaîne beaucoup moins. Mec, on attend tous. Les gars, attendez tous pour sub. On va tous participer au train. Et le but sera de battre le record, justement, sur la chaîne c'est de McFly Carito. Merci à tous. Vraiment, attendez, merci beaucoup. Pardon, vous avez donc atteint 10 000%. Mon Dieu, ils l'ont fait, quoi. Flouté. Est-ce qu'on est prêt pour la photo? Va donc être révélé. Oh là là, attends, il y a un effet de mise en scène. Oh là 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 là. Ah mais il y a les deux photos. C'est incroyable cette soirée. Merci de nous surprendre à chaque fois. Vous êtes allé le chercher. Vous avez pris le train et voici votre garde arrivée, mesdames et messieurs. Oh c'est beau. Oh c'est beau, c'est bien dit. Donc ça, c'est... il est réel. Amuse-gueule. Déjà, on vous montre. On vous montre le machin. Il vient tout droit de la cantine de leur école. Regardez la main à côté. Oh quel plaisir de les revoir. Attention, on va y avoir le reveal de la troisième photo, mesdames et messieurs. La troisième photo. Regardez-moi ça, les gars. Regardez, il ne déconnait pas sur. C'est, il a pas un petit. Il a pas pris juste un bridou comme t'as ça du frigo changé, et s'est barré. Ah non, ouais c'est vraiment. T'es beau gosse de ouf là. Merde. C'est véridique. J'étais beau gosse non. Avant. Non, mais là il y avait l'été, ça sent. T'as pris le soleil. Vraiment fait, les gars. Ça vous plaît? On vous a révélé cette anecdote en impro ce soir. C'est incroyable ce qui nous amène à ça. Ça veut dire que vous pouvez maintenant imaginer cette anecdote dans son entier. Ah, mais je vois très bien comment la soirée s'est passée quoi. Et merci à nos meilleurs potes sur le groupe WhatsApp. On a des groupe qui date du bahut qui n'a pas bougé. Il l'a trouvé. Et on est toujours potes avec ces gars-là. Et on se voit encore. Ils ont beaucoup des enfants. Maintenant, on se voit avec nos enfants et tout. Très important, et depuis ça. Le lycée, on se disait un jour, on aura nos enfants qui joueront ensemble et nos enfants jouent ensemble aujourd'hui. Avec des cartes comme la vôtre, c'est important aussi d'être bien entouré pour garder les pieds sur terre. C'est primordial. C'est ouais, on est d'accord. L'entourage, mais c'est trop bien, c'est mais parce qu'en plus, du coup, c'est des personnes qui sont encore dans votre entourage proche maintenant et que vous connaissiez avant tout ce qui vous arrive là maintenant. C'est la galère, ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment des gens qui étaient là pour vous avant que vous soyez genre des big boss. Ce qui se passe, ils sont là. Ouais, cool. Ouais, ils sont hyper cool. Non, d'accord. C'est tant mieux. Ouais, mais ouais, ils sont en mode. Et sinon, ton fils, ça va? Il a pas de trop ni trop peu. Trop bien. On peut reprendre la photo et peut-être zoomer. Sur un regard quelconque. En tout cas, imaginez bien que j'avais très faim à ce moment-là. Eh bien, écoutez, les gars, franchement, encore une fois, merci de vous être autant livrés. Je rappelle qu'il y a un album qui sort cette année. Non, mais c'est trop bien, franchement. S'il n'y a pas une autre grosse actu. Non, mais allez-y, profitez, il y a 100 000 personnes. On avait plein de jeux de prévus. On a joué à 3% des jeux qu'on avait prévus. Ah ouais, non, mais honnêtement, je changerai pas cette soirée pour autre chose. Il est 23h11. Je veux rentrer chez moi. Spaghetti boulette. Ouais, je pense. Spaghetti boulette. Franchement, Phasmophobia, okay. On se le dira pour une prochaine fois. Mais non, il y a le VR qui est installé. Phasmophobia. Ah, tu veux le faire? Non, mais on le one shot. Là, il a tous ses jeux. Entendu spaghetti boulette. Spaghetti boulette pour Phasmo, quoi. Vas-y, bah, spaghetti boulette. Vas-y, je suis bouillant, moi. On y va. Spaghetti boulette. Ah oui, pardon. Donc là, on est avec toi, là. Merci. On est avec toi, là. On est avec toi. On voit tout ce que tu. Là, tu es par terre, là. Là, non, bah non. Pas encore. Ouais, non, mais je veux dire. Là, je prends l'ascenseur. Ouais. Là, ça monte, j'imagine. Tu vas arriver à un certain étage. Voilà. Oh oh ok. Et là, il y a une planche devant toi. Les gars, pour ceux qui n'ont pas vu, on a mis une vraie planche tu devant lui. Tu l'as aussi dans la vraie vie. On a mis une planche devant lui. Fais gaffe, tu es au-dessus du vide, McFly. Oh my god. Oh my god. Regarde ce qu'il y a devant toi, McFly. C'est que pour toi, les donuts. Ah, c'est terrible. Est-ce que t'as vraiment le feeling? Ah, de ouf, les gars. Oh mon dieu. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Parce que tu vois, il y a la sensation qu'à gauche et droite, c'est le vide. Oh là là, c'est graille. Mais ah les gars, la sensation, les gars. Est-ce que tu veux ça à la maison? Parce que t'es super à l'aise. Ah, t'es super à l'aise, toi, tu t'en. Ah non, vraiment. Bah, y'a des donuts, donc. Et attends, ici, qu'est-ce qui se passe si je tombe? Oh quoi? Il est tombé là? Non, l'assiette est tombée. Qu'est-ce qui se passe si je me pire? Oh les gars. Oh, mais c'est terrible de faire vivre ça. Non, mais c'est terrible. Le choc, c'est terrible. Est-ce que t'as eu un feeling au cœur? Non, le choc c'est terrible. Mais ah ouais pas. Oh la tête que t'as. Non mais je peux comprendre parce que t'as vraiment l'impression le choc. Ah quand ouais ça arrive, ton corps dit ça y est, c'est ciao. Non. Mais non. Si. Avec ta mère. Oh putain. Non mais je pense. J'ai jamais testé, j'ai trop peur. Avec le fond. Moi t'es réveillé là. Et quand tu tapes le sol.
Oh non, je suis pas bien là. Ah. Oh, c'est costaud. Bon, hein. Maintenant, faut que tu nous rejoignes sur Phasmophobia et. Ça va être plus sympa. Hein, ouais, ça va être plus sympa, t'inquiète, tu auras moins ce côté-là. Bon, je m'attendais à ce que la soirée soit cool, mais je m'attendais pas à ce que soit une scène comme ça. C'est trop bien. Genre, ouais, pareil, ça a pris des proportions. Ouais, c'est, ça. C'est trop bien. Les gars, c'est l'énergie. C'est... Moi, les gars, j'avais un petit peu peur parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait. Putain, on est déjà crevé. On est déjà crevé. Parce qu'on avait pas mangé en plus. Bah ouais. Oh, joli, joli, très belle danse. Ouais, 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 tu sais faire ça, mec. Limbo, limbo, limbo. Allez, on est là. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière partie de ce live la historique? La dernière, spaghetti boulette. Une game, moi je veux qu'on reparte avec la victoire. Alors, est-ce que vous connaissez Phasmophobia ou je vous explique rapidement? Je connais pas. Vous connaissez Vas-y. Pas ouais. En gros, on va arriver dans une maison hantée par un fantôme. Et notre objectif, c'est retourner à notre camion en vie en ayant trouvé assez d'indices pour dire quelle sorte de fantôme c'était. En fonction des indices qu'on va pouvoir découvrir avec les objets qu'on a et ce qui va se passer dans la maison, on saura automatiquement quelle race de fantômes c'était. Donc il faut faire des déductions, on va tester plein de choses. Et en attendant, il y a des moments très chauds où on va pouvoir se faire du coup tuer si on est pas au bon endroit. Il y a différents types de fantômes, ouais. Genre. Déjà ça, être au milieu du vide intersidéral. Oh, c'est beau. C'est mais... beau. C'est du vide de... On a une game, les gars, on a une game. McFly, tu peux te mettre face au panneau et nous lire tout ce que tu vois sur le panneau parce que c'est ça qui va Objectif falloir qu'on passe. Objectif optionnel. Objectif 1, découvrir à quel type de fantôme nous avons affaire. Objectif 2, empêcher le fantôme de chasser avec un crucifix. Objectif 3, faites marcher un fantôme dans du sel. Objectif 4, nettoyer la zone près du fantôme à l'aide de bâtons d'encens. Objectif 5, aller voler les saucissons cachés dans la chambre froide. Okay. Polo. Ok, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est prendre un talkie-walkie pour pouvoir parler au fantôme avec son nom vu qu'il répond à tout le monde. Donc quelqu'un veut le faire, comme ça il parlera au fantôme. Je pense que le mieux c'est que ce soit McFly. Si quelqu'un d'autre va en prendre un, il peut aussi pour aller faire d'autres pièces. Super. Je pense que Carlito, tu pourras prendre le crucifix. Ah mais il me faut de la light. Donc là je vais dans toutes les pièces là. Là je vais dans toutes. On peut se faire attaquer à tout moment. McFly, tu parles dans le talkie et tu lui demandes Sandra Wilson êtes-vous là? Répondez-moi Sandra Wilson êtes-vous là dans chaque pièce jusqu'à que t'as un retour. Sandra Wilson êtes-vous là? J'ai juste toi à parler qui a la dedans. UV, c'est qui a la lampe à UV là? C'est parfait. Check un peu partout avec ta lampe à UV. Si tu vois des petites particules, des petites empreintes, tu nous fais signe aussi. Après, faites gaffe, hein, là, on Après, a les lumières gaffe, et... enfin, là on a les lumières et tout, mais il peut tout éteindre le fantôme. Sandra Wilson, es-tu là? Montre-moi le toki quand tu fais ça. Regarde le toki. Faut appuyer dessus, non? Ouais, t'appuies dessus et ensuite alors... tu regardes s'il y a un truc qui. Mais non, mais il tombe par terre quand j'appuie dessus. Bah, faut pas appuyer dessus, juste parle là-dedans. Vas-y, parle voir. Sandra Wilson, es-tu là? Regarde McFly, viens en échange, je te donne ça. Ouais. Ça en gros tu vas partout dans la pièce et dès que ça devient rouge à 100% tu nous fais signe. Dans la cuisine. Gotha prend en photo Los. Gotha prend en photo Los qui est juste en dessous de nous là. Et envoie-moi le toki du coup McFly parce que tu peux pas l'utiliser. Ah oui. Oh là là les gars, je suis désolé, c'est pas joli. T'inquiète hein. Mec, mec déjà pour une première game tu te débrouilles méga bien gros. Quoi? Oh oui. Magnifique gros, empreinte. Oh. GG Carlito. Empreinte les gars, empreinte. Carlito, tu veux faire le toki là que j'ai en main? Au pire, je te laisse le faire. Ouais, ok. J'arrive pas à sortir gros. Allez, je vais monter à l'étage pour voir non, Sandra. Non, bah viens dans cette pièce déjà. Sandra Wilson, êtes-vous là? Sandra Wilson, faut allumer le MF, je sais pas ce que ça veut dire. Rien de détecté, d'accord. Y'a rien là, les gars. Sandra ah bah, Wilson, bah, êtes-vous oui, là pas Sandra marcher, désolé, hein. Sors, wesh, sœur, il t'arrive quoi? Sandra oh, Y'a des choses. Oh, y'a un petit PC gamer, regarde. Les gars, y'a des Geox. Je vous dis pas mieux, y'a des Geox là. Démerdez-vous. On est sur la middle class. Rien de détecté. Quelle clé? Ah, ouais, y'a une clé là. Y'a une petite config gaming là, propre, hein. Sandra, êtes-vous. C'est quoi la phrase? Oh, j'ai envie de. Où êtes-vous, Sandra gars, ah, oui, je peux lui dire des trucs. Les gars, y'a une porte là. Sandra, où es-tu, s'il te plaît? Mais oui, c'est Sandra. Regardez, Sandra Wilson, êtes-vous là? Il y avait quelqu'un dans ce lit il n'y a pas longtemps. Sandra Wilson, êtes-vous là? Il n'y a plus rien, ça répond même plus. Rien de détecté. Sandra, vous avez un corps, certes, à votre avantage, mais vous en avez conscience. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. Ça va attaquer, ça va attaquer. Ouais, 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 j'ai entendu. Putain, il se cache dans un placard, le bâtard. Eh, le chat, l'empreinte qu'il a trouvé, ça veut dire qu'il y a forcément empreinte ou pas, le chat? Mais qui me passe devant? Si vous connaissez l'histoire du début de Berserk, c'est quand même assez passionnant, Sandra. Il a failli ne plus être édité, car c'était trop gore, et ça ne reflétait rien. Son éditeur lui a dit fait quelque chose de plus shonen, et il s'est inspiré des gens de sa fac.
C'est ça que je vais faire, les amis, sur le chat. Sandra, où es-tu, s'il te plaît, Sandra? Non, je suis pas seul. Sandra, nous aurions dû utiliser une capote. Je veux qu'on en parle. Je me sens coupable. J'ai envie de gerber, les gars, c'est terrible. Sandra, es-tu là, s'il te plaît? J'ai envie de gerber. Sandra Wilson, es-tu là? Sandra, ton avis sur la variante du Covid? Pardon, mais j'ai plus de lumière, les frères, là. Ah, c'est bon. C'est où? C'est où? La salle où t'as trouvé l'empreinte! La salle où t'as trouvé l'empreinte, elle a écrit sur le livre! J'ai demandé d'écrire, elle a écrit, viens lui parler ici, frère! T'es à quel étage? Au rez-de-chaussée et à la cuisine! Là! Regarde, elle a fait le dessin, y'avait rien dessus à la base! Ah putain! Ton truc s'active! Ton truc s'active! Ouais, regarde, Théma! À quel niveau? À quel niveau? Full ou pas? Bah là, on est dessus, Mais il est en x5 ou pas x5? Non! x2! Ok, tu peux le jeter, jette-le par terre! Ici. On est dans la bonne pièce. Est-ce qu'il y a des températures glaciales? Là, il y a un miroir. On va se faire attaquer. Sandra Wilson, où es-tu? Est-ce que tu... Oh! Elle a répondu oui. Here! Elle a dit here! Oui, ça a dit here, Dans le miroir, les gars! Mais oui, dans le miroir! Ah, oh, j'entends des bruits! Elle a dit oui, elle a dit here et c'était horrible! Oh là là, ça monte là, c'est x3! x3, on va se faire attaquer, les gars, x3! Quoi? Là, c'est dans la pièce, c'est toujours dans la pièce! En fait, tant qu'il est pas max, ça nous intéresse pas! Faut vraiment qu'il soit pas. Regardez, max. On est dans la pièce et c'est monté à x3! Regardez comme il sonne! Où est-ce qu'on peut estimer que les lobbies des réseaux sociaux sont quasiment plus précis, plus puissants finalement? D'ailleurs. Ouais, je suis là. Sandra, t'es là? Là, c'est là que ça se passe, les gars. x4! x4, faut rester dans la pièce, c'est là que ça se passe. Là où on est, dans la petite salle de bain chiotte, dans les petits chiottes. C'est le meilleur jeu, hein. Et si elle est derrière le miroir? Là, Sandra, on a mis toute la brigade, il y a la BRI. Ah! Au sol! Je la vois! Sortez, c'est un pas moi! Pas moi! Cachez-vous dans un placard! Cachez-vous dans un placard! T'es où? Qu'est-ce que tu te fais là? Tu te fais écraser, je te vois te faire étrangler! Je vais là-bas, je descends les frères! Tu t'es fait tuer! Ils vont devoir aller pousser en moi! T'es où? Ils vont devoir. J'ai un crucifix, je vais dans le pire endroit! Je reste là! Je suis dans le pire endroit! Regardez les amis, je suis dans le pire endroit! Ah, J, il y a marqué J. Je vais gerber. J'en ai marre de cette soirée. Il y a McFly qui est agenouillé là-bas. Là, j'ai un point de vue. Là, si j'ai des restes de boxe, elle a aucune chance. Pourquoi? Sandra Wilson, est-ce que tu es là? Okay, réponds-moi. Non, mais c'est sors. J'en prenne un là, c'est ça? EMF, niveau 5, empreinte digitale, et après le dernier. Ok, les gars, le fantôme, c'est un revenant du coup. Attends, sors. Attends, comment sortir? Comment tu peux sortir? Non. Remonte. J'avoue que c'est fou cette histoire de livre. Okay. Alors, ce qui paraît, McFly l'a pas encore fait. Ouais. Est-ce qu'on attend juste McFly comme ça il se met à jour? Ah, il doit faire ça aussi. La petite ou la grosse? Dans preuve numéro 1, tu mets Spirit Box. Mais il est où McFly? Il est où? Voilà. Deuxième, tu mets empreinte digitale. Ok, et la dernière, tu mets écriture, je sais plus quoi là. C'est ce qu'on a trouvé comme indice, les gars. Quelle folie. C'est quoi? Il est où McFly? Je comprends pas. Écriture fantomatique. Il est avec vous dans le camion, c'est moi qui suis mort. Il est dans le camion. Ah, t'es mort? Ouais, il est mort. Et du coup, ouais, tu mets esprit. Ok, c'est bon, Tammy, bah après, tu peux quitter ça. Je ferme le camion, les gars. Et normalement, c'est GG. Et c'est dur de gagner Phasmophobia ou c'est comment? C'est dur de gagner en général? Ça, c'était la carte facile. C'était un peu facile. Attends, ils vont nous dire est-ce que c'est un esprit ou pas? Est-ce qu'on a réussi? Le fantôme est un esprit, bien sûr. Bravo! Vous avez réussi votre première game de Phasmophobia. Je rappelle que Carlito a trouvé l'empreinte. Carlito a trouvé la Spirit Box. T'en as trouvé deux. C'était quoi la Spirit Box? Le fantôme était un esprit. La Spirit Box, c'est ce que t'as parlé. Êtes-vous là quand il a dit êtes-vous là? Il t'a répondu à ça, donc c'est le premier. Et moi, j'ai trouvé les écritures quand j'ai demandé d'écrire sur le livre. Donc on avait les trois très rapidement. Donc on n'a pas dû aller chercher plus loin. Mais normalement, tu dois aller vérifier s'il n'y a pas des ordres fantomatiques en place. Après, les gars, ils n'avaient jamais joué. Moi, de base, j'ai fait 3 games avec. Et dites-vous, rappelez-vous, moi, je pense qu'on peut applaudir McFly. Bravo, McFly. Les gars, vous vous rendez pas compte, pour ceux qui n'ont jamais fait de VR, c'est horrible. C'est
trop compliqué. On teste mettre le casque, mais. Et justement, moi aussi, quand j'avais testé, j'avais envie un peu de vomir sur la fin parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont pas intuitifs. Ah non, ouais, et le cerveau, il calcule. Ouais. Raconte, Vida. C'est excellent, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est vraiment génial à vivre. Mais tu m'as même fait buter. Et je te voyais, mais t'étais juste comme ça. Je le voyais. Et tu voyais le fantôme ou pas? Bah non, je voyais pas. Par contre, je l'ai vu marcher à quatre pattes, façon l'exorciste, tu vois. C'est ça. Avec les pattes à l'envers, comme ça, sur le sol, j'étais là. Ah mais si c'était toi personne qui t'étais fait attaquer, mec, si c'était toi qui t'étais fait attaquer, mec, tu te serais chié dessus. Ah ouais. Voilà. Non, par contre, t'as été très habile direct avec la machine, parce que Gotham avait un peu plus de mal, toi t'as arrivé à choper les trucs en 2-2. Carlito, en vrai, t'as été un enquêteur de folie, sans que tu connaisses le jeu, t'as trouvé les trucs. On était plus ses potes. Genre, il était avec. Ouais, j'ai beaucoup parlé à Sandra. Il se confessait. Ça a bien marché. Et dites-vous qu'il y a genre encore 4-5 autres types d'indices, mais on n'a pas eu le temps d'aller vérifier tellement on a trouvé vite les premiers. Dites-vous qu'on leur avait dit 22h, il est minuit bientôt. Vous vous rendez pas compte la chance qu'on a eu de les avoir aussi longtemps. Là, c'était une histoire d'amour ce soir. Parce qu'on a commencé live tard, mais c'était 10h30. Pardon, je te coupe. C'était une grande soirée. Bah, franchement, les gars, c'était. Je pensais pas dire ça, mais c'était encore mieux que la première fois, les gars. Ouais, c'est vrai que c'est dingue. Et donc, surtout, un grand merci à vous de vous être rendu dispo pour la reprise là. Et c'est des amours. Et rendez-vous cassé en 2021. Et rendez-vous en vendredi. Rendez-vous le vendredi 5 février. Putain, ouais. Pour le lancement de notre chaîne Twitch avec un live Fishing Simulator. Incroyable. Où on essaiera. Non, c'est même pas on essaiera, les gars. On va battre le record justement de train de la hype. Mais il y a déjà un visuel, mais c'est incroyable. Tu vois, là, j'ai l'impression que vous avez bien bossé aujourd'hui. Ah oui, vous avez bien dormi. Ah ouais, ouais. Demain, le petit réveil à 7h pour et amener les enfants. Un grand merci parce que vraiment, les gars, je vous en avais pas compte. Hein, je vous jure. Et Doig les a. Il a encore mis la douille. Non, mais dis pas que c'est ma faute. 22h. Tout le monde est. Non, non, on a kiffé. Moi, je dis ça. C'est consentant, c'est consentant. J'ai jamais dit ça. Non, non, c'est un vrai grand plaisir pur. Et c'est trop agréable de voir aussi cette communauté, votre commune qui est ouais, hyper de ouf, incroyable. Merci ça, à tous, c'était génial, plaisir. C'était une bête de soirée. Donc, merci beaucoup. La communauté qu'on mérite à ce qui paraît. C'est vrai. Merci à c'est vous. Des gros bisous. Et Max merci Carlito, par, suivez et fort. Merci à vous infiniment. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci et JC, bravo pour JC. Merci JC. C'est vrai. Merci à l'équipe. Vous avez l'équipe. Et l'équipe incroyable. J'ai vu ça. Je crois que j'ai jamais vu ça en fait. Mais voilà. Ça sera à vous de faire. En termes de réactivité, ouais, t'as des cracks. Bravo aux équipes. Gros bisous les gars. Merci à tous. Merci tout le monde. On vous aime. À bientôt. Restez vous-même. Vous êtes les meilleurs et à vendredi. Et à vendredi.